Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 50e épisode, épisode numéro 49. Nous sommes le 23 juin 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Victor Balu. Bonjour Victor Balu, qui êtes-vous ? Bonjour. Alors, moi je travaille chez CleverCloud. Je m'occupe plutôt de la donnée là-bas, j'essaie d'en faire quelque chose de plutôt intéressant, de la valoriser et de rendre Clever plus efficace avec ces données. C'est beau. Je suis aussi accompagné de Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et moi, à l'inverse de Victor, j'utilise la donnée. Je fais plutôt la partie UI et ligne de commande chez Clever. Et je suis accompagné de Philippe Charrière. Bonjour Philippe Charrière, qui êtes-vous ? Sur le principe, mais tout le monde te connaît. Non, c'est pas vrai. Alors tu remarqueras, le t-shirt est en accord avec le petit bonhomme. C'est vrai. Qui je suis, Philippe Charrière, je bosse chez GitLab pour aider les clients à l'utiliser ou à plus l'utiliser pour avoir plus d'argent. Et petit fun fact, je bossais chez CleverCloud aussi, alors en tant que commercial, mais voilà. C'était dur ce Ouais. J'ai toujours ce truc qui me fait mal quand je dis j'étais commercial. C'est pas grave, tu fais de l'après-vente maintenant. Il y en a des biens. Oui, pardon. Si. Oui, je fais de l'après-vente, tu as raison. Ok, écoute, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de vous voir. Aussi, d'autant que c'est mon dernier message à caractère informatique derrière le micro du présentateur, donc je suis bien content de t'avoir pour cette milestone. Et donc, sans transition, nous commençons par le premier lien d'Hubert Sablonnière, qui est une vidéo en anglais de 2 minutes, qui explique pourquoi le vote électronique, c'est une grosse idée de merde. Oui, et je vais faire une micro-parenthèse pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, pour le remercier 1000 fois de toute l'énergie et le travail qu'il a mis dans ce merveilleux podcast. Et je demande à tous les auditeurs qui sont d'accord avec moi, et j'espère que c'est le cas, de l'inonder de gifs d'amour et d'émojis d'amour. Voilà. Parenthèse fermée. C'est trop gentil. Ouais, c'est une vidéo de Tom Scott. Alors, c'est pas sur sa chaîne, mais voilà. Je l'ai partagée parce que chez Clever, on est plusieurs à beaucoup aimer Tom Scott. Spécial dédicace à Julien. Et donc, il revient sur Je sais pas qui c'est. Alors, c'est un YouTuber. Il a pas mal de vidéos autour de la tech, mais pas que. Tu vois, une des dernières vidéos que j'ai vues de lui, il parle d'une piste d'atterrissage d'un aéroport officiel en Écosse, dont la piste d'atterrissage est recouverte par la mer la moitié de la journée. Tu vois, ça va vraiment dépendre, il y a un peu de tout. Il explique super bien et il est cool. Et son prénom, c'est Scott ou Tom ? Tom. Désolé. Mais tu vois, il a une vidéo sur en quoi c'est impossible de traduire Shakespeare en français parce que dans la manière dont il fait des syllabes, etc., et de la rythmique, ça marche pas en français. Tu vois, il y a un peu tout, mais il y a aussi des sujets un peu techniques. Et donc, il y a un sujet sur le vote électronique. Voilà, Pour avoir regardé « Songe d'une nuit d'été » en anglais sous-titré français, je confirme que c'est pas conforme, ça marche pas. T'es obligé d'avoir 2 cerveaux pour suivre. Il a toujours une approche théorise beaucoup les choses. Quoi. Par exemple, moi j'ai vu la vidéo sur Shakespeare, il mathématise des choses pour prouver que ça n'a aucun intérêt. Et du coup, ouais, le sujet du vote électronique est très, 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 très en vogue depuis ce dernier dimanche de premier tour de départemental et régional. Et ce que j'aime bien, c'est que sa vidéo dure 7-8 minutes. Et il rappelle les fondamentaux, il explique que les attaques sur le vote physique, ça scale pas du tout bien, alors que sur un vote complètement électronique que tu irais faire sur un site ou je ne sais quoi, ça peut finalement demander une seule personne pour faire une attaque de grande échelle. Il rappelle l'importance de l'anonymat et de la confiance sur le vote, c'est 2 fondamentaux là-dessus. Et il parle de 3 points
Alors, le début de la vidéo est plutôt orienté avoir des machines à voter dans des bureaux de vote, un peu comme il y a dans certains États américains. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a eu des expérimentations en France. Et donc, il explique à quel point c'est juste le cauchemar pour auditer le software, le hardware. Ça, c'est le premier point. Que c'est le cauchemar pour transporter les votes. Est-ce que tu transportes la machine à voter? Est-ce que tu transportes les résultats sur une clé USB? Est-ce que tu les uploads? Et en troisième point, il parle du programme de comptage central où il faudrait faire la synthèse de tous les votes. Ensuite, il termine sur si on faisait un vote avec des machines à voter dans les bureaux de vote, ce qui est finalement ce qui est beaucoup mis en avant par pas mal de personnes depuis ce week-end, à savoir voter depuis chez soi, depuis son smartphone ou je sais pas quoi. Et là, il revient aussi sur à quel point c'est un cauchemar. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il est britannique, si je dis pas de bêtises, et eux, ils votent avec un crayon de bois. Enfin, attends, je vais être inclusif. Moi, chez moi, on dit un crayon de bois. Alors, je parle d'un crayon gris, un crayon de papier, tout le monde m'a compris. Mais du coup, eux, ils utilisent ça, ils doivent cocher des cases, je crois. Il dit, si vous faites du vote électronique, bravo, vous avez inventé le crayon de papier le plus cher de l'histoire. Donc cette vidéo est pas mal. Il dit ça parce que un des exemples qu'il donne, c'est on pourrait te filer des stylos avec de l'encre qui s'efface. Du coup, ce serait gênant. Ouais. Mais ce qui n'est pas possible avec un crayon de bois à papier gris, tout ça. Ça s'efface pas le crayon ? Faut une gomme quoi, ça s'efface pas tout seul. Ouais, mais la gomme tu viens avec dans ta poche. Non, quand t'es en train de dépouiller, si t'es en train de dépouiller et que tu sors ta gomme, c'est un peu cramé, quoi. Alors que ce qu'il donne comme exemple, c'est l'encre qui s'efface toute seule, tu vois. Et donc, si quelqu'un de malveillant te file un stylo avec de l'encre qui s'efface, Mais là, on est dans le cas d'un vote où il faut cocher des cases, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et du coup, toi, Laurent, t'as partagé, ou c'est moi, je sais plus, un thread de Christophe Michel qui revient aussi, donc là, avec un contexte très français, sur en quoi c'est une très mauvaise idée de faire un vote électronique. C'est toi, moi j'ai partagé le blog de Projet Arcadie qui explique tout ça très bien aussi. C'est des ressources en plus pour que vous alliez voir si vous n'êtes pas convaincu. Ouais. Alors moi personnellement, j'aimerais bien quand même que le vote électronique existe, parce que ça m'éviterait de m'énerver chaque dimanche où il faut aller voter, parce que mon sens du devoir me pousse à y aller, même si je me dis, mais pourquoi ? Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a personne pour qui j'ai envie de voter. Donc, et même quand je trouve le ou la moins pire, je me dis, ça me fait mal. Donc, mais j'y vais, parce que c'est une manière de donner son avis, mais je t'avoue que ça me bouffe ma journée. Voilà. Bon. Après, je pense que le débat est énorme et qu'on pourrait parler de sécurité. Déjà, sur la partie sécu ou être sûr que c'est quelqu'un, la route est encore longue, mais quand tu vas dans un aéroport aux États-Unis, par exemple, ou enfin n'importe où, tu as quand même des machines qui sont capables de reconnaître ta bouille et de vérifier que c'est toi, sans compter que tu as aussi la partie empreinte digitale qui est de plus en plus démocratisée. Alors, quelqu'un peut, c'est pour ça qu'il faut mixer le truc, mais quelqu'un peut te couper ton doigt chez toi et voter à ta place. Dimanche, je suis allé au bureau de vote. On m'a pas demandé d'enlever mon masque. Globalement, une fois que j'ai le masque, il y a un paquet de gens qui me ressemblent. Hein. Je suis même pas sûr d'avoir montré ma carte d'identité. Tu l'as forcément montré, ça. J'ai un doute. Il a fallu que je retourne chez moi pour aller la chercher parce que je me suis aperçu en arrivant. Tu l'as bien dit. Sûr, je ne l'avais pas prise. Mais. Tu sais, dimanche dernier, ça aurait dû être le Hellfest. Imagine ouvrir un bureau de vote électronique au Hellfest avec que des chevelus barbus masqués. Je pense que là, c'est cramé. Hein. Tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble. en fait, ça pourrait être une bonne idée parce que ça te fait plein de gens qui iront voter. Problème, ce n'est pas un problème de sécurité de mon point de vue et de faisabilité. Excuse-moi, Hubert. Vas-y, justement. Oui, on sait le faire. Oui, on peut le faire. Techniquement, on trouvera des solutions qui permettent de réaliser ce truc-là. Ce qui me concerne principalement, c'est l'auditabilité du processus et le côté transparent, où c'est beaucoup plus facile
quand tu as le vote papier, de faire un contrôle démocratique, parce que c'est très low-tech, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir comment ça se passe et si ça se passe bien. À partir du moment où tu passes sur le côté tech, arriver à auditer toute la chaîne et l'intégralité de la chaîne, il y en a des... Enfin, on est dans l'informatique, on sait que la sécu, c'est un problème qui commence tout en bas et qui finit tout en haut. Enfin, il y a des portes ouvertes partout et surtout, il y a des possibilités d'abus partout de comment est-ce que tu balades la donnée, qu'est-ce que tu en fais, comment est-ce que tu gères, qui sont les gens, etc. Mais surtout, comment tu contrôles en tant que citoyen ce qui est en train de se passer. Et on va me dire, oui, mais l'open source, c'est cool et tout. OK, l'open source, c'est cool. Mais alors déjà, ce n'est pas donné à tout le monde de contrôler le code. Ça concerne juste une petite partie de la population, parce que sinon, ouais, en faisant des commits signés, je pense qu'on pourrait voter. Ouais, mais après, il faut mais faut que tu arrives à prouver que le logiciel avec lequel tu interagis est vraiment en train d'utiliser le code qui a été signé. Et tu vois, il y a un problème de confiance sidérant, sidéral. Le vrai intérêt là, de ce que tu dis, Laurent, ce qui est vrai, c'est que l'intérêt du vote papier, c'est que tu mets tout sur la table, n'importe quelle personne qui est devant, elle peut être témoin de la chose. Quoi. Là, ça restera l'auditabilité à des experts, ouais, à qui tu dois déléguer ta confiance. Exactement. Et ça, c'est un peu le problématique pour la transparence et l'engagement de la population dans l'autre, déjà qu'on a du mal à faire voter des gens. Après, il y a un petit, on pourrait faire un petit pas de côté, quoi. Là, par exemple, en Suisse, ils votent beaucoup par correspondance. Alors, je vois pas en quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, tout le monde me dit, mes amis suisses me disent que c'est hyper sécu, qu'il n'y a pas de problème de sécu et tout. Bon, je vois pas en quoi on pourrait pas avoir des failles de. Enfin, il y a quand même des votes qui sont stockés pendant longtemps quelque part, sans personne à côté. Genre, c'est pas dans une pièce ouverte au public où les gens peuvent aller. Il y a des assesseurs ou des gens qui peuvent regarder dans les bureaux de vote et vérifier que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de personnes inconnues, qui ne sont pas censées faire des choses, qui font des choses. Ça reste là, contrôlable et auditable par des gens normaux. Sur le vote par correspondance, tu as eu donc plein d'attaques de Trump là-dessus à l'époque de l'élection américaine. Et il y avait des vidéos notamment de Vox qui réexpliquaient via des gens qui ont fait des experts, qui ont fait des recherches sur des fraudes, etc. Et ils te disent que globalement, contrairement à un vote où, imagine, tu votes depuis une app sur ton smartphone, tu as la même difficulté de faire une attaque de grande échelle sur un vote par correspondance papier que, enfin globalement, qu'un vote papier dans un bureau de vote. Alors que dès que ça devient électronique, le jeu d'échelle n'est plus du tout le même. Et eux, dans les études qu'ils ont fait sur différentes fraudes, c'est vraiment négligeable et minime, de la même manière que chez nous en France, tu peux... je vais citer un exemple pourri, mais si vous avez déjà vu, je vais peut-être spoiler. Mais il y a une série française où il y a un problème dans un bureau de vote. Ça annule tous les votes du bureau de vote, donc en général un millier. Et si jamais le problème est trop gros, il y a potentiellement un revote, etc. Mais, ouais, on revote. J'ai déjà vécu des situations comme ça où si à la fin la marge d'erreur est trop grande, c'est ça. Enfin, elle est plus grande que le nombre de personnes qui n'ont pas pu voter. Ben, on refait voter un secteur. C'est ça. Et tu parles à quelqu'un qui vit dans une ville. Que tu résous pas. J'allais dire, nous, notre maire à Lille a été élu avec 227 voix d'avance. Je te laisse imaginer les discussions qu'il y a encore aujourd'hui sur le oui, mais... c'est... Mais après, je ne sais pas où tu vis, Philippe, mais moi, j'ai un bureau de vote à une minute à côté de chez moi. Ah, mais moi, il est à côté de chez moi. Il est à côté de chez moi. J'y suis en 2-3 minutes, il n'y a pas de souci, mais... J'aime bien la solennité, tu vois, d'arriver là-bas. Mais j'aurais préféré partir en week-end. Tu peux faire une proc. Puis limite, tu fais équipe avec un pote et lui, il fait un tour, toi, tu fais l'autre tour. Ouais, mais les gens avec qui je peux faire des procs, ils partaient avec moi en week-end potentiellement. Oui, forcément. Mais je pense que, tu vois, ça arrive pas souvent et résoudre ce problème-là par de la technique. Plus tu mets de la technique et plus tu empêches l'auditabilité par le citoyen lambda, et ça doit rester, de mon point de vue très personnel, auditable par le citoyen lambda. Mais sur la procuration, j'ai des bémols aussi, de toute façon.
si je donne une procuration à ma compagne et que je lui dis de voter parti pirate, elle le fera pas. Donc, si tu veux, mais là, bah, tu dis, c'est un autre problème. On va rentrer dans un autre podcast. Ouais. Et non, j'allais ajouter un détail que j'ai lu, je crois, dans un des threads. C'est, j'imagine qu'on vous a tous demandé si vous vouliez dépouiller ce week-end. Et en fait, moi, j'ai jamais dépouillé depuis que j'ai le droit de voter, mais je suis déjà resté avec mes parents qui dépouillaient quand j'étais un peu plus jeune. Et en fait, la seule chose qu'on te demande pour dépouiller, c'est de savoir lire et écrire. Et encore, ils vérifient pas des masses, mais et littéralement, un gamin de 12 ans peut dépouiller. On parle de faire des bâtons et de compter des papiers avec d'autres gens. Donc il y a ça versus auditer un processus numérique, c'est juste. Enfin bref, c'est l'accessibilité n'est pas la même. Puis on n'a même pas évoqué le fait de comment tu fais pour les gens qui sont illettrés numériquement, comment ils votent. Enfin, c'est. Et puis on n'a même pas parlé du fait qu'a priori personne n'avait prouvé que ça résolvait le problème d'abstention. Quoi. Ah ben non, de toute façon, ça semble pas être le sujet. Je vous propose de passer au lien suivant, qui est un lien de Victor Balu sur comment l'Europe a choisi de protéger, de voir la donnée des gens de manière un peu différente que les autres pays du monde. Oui. Bon, je voulais juste ajouter sur la vidéo là de Dubert, Computerfield, là où tu as fait le site YouTube, la chaîne YouTube est super pour tous les gens si vous voulez y aller. C'est vraiment une mine, que ce soit des sujets un peu techniques où on apprend beaucoup de concepts informatiques un peu poussés, à des trucs beaucoup plus légers, beaucoup plus autour de la société, c'est super cool. Ouais, alors. Pour avoir une certaine cohérence avec les autres tiens, je trouvais que cet article était assez intéressant pour voir quelques impacts en fait des politiques européennes qu'on va détailler un peu plus tard d'ailleurs dans la vidéo que tu as partagée, Laurent. Et un des impacts que je trouvais assez intéressant qui est bien détaillé dans cet article, c'est ce qu'apporte le GDPR et d'autres concepts d'autres lois européennes à propos des exigences qu'ils imposent aux grands acteurs du numérique, et notamment les réseaux sociaux et tout ça, et notamment l'exigence d'interopérabilité des acteurs, qui permet en fait de réduire le coût d'accès et surtout de sortie, normalement, hein, c'est censé réduire le coût de sortie, le coût de... Ouais, de toute société, quoi, en termes de data. Ah, donc, l'objectif, c'est de normaliser l'output de toutes les, toutes les data. Et par exemple, de pouvoir changer de réseau social assez facilement en exportant ces données. Voilà. En fait, ça commence, Victor, par une petite explication de ce qu'est l'effet réseau et ce que les gens entendent par effet réseau, qui est hyper intéressant. J'allais y venir, ouais. Mais. Parce que je fais pas dans l'ordre, je trouve ça plus intéressant dans mon ordre. Vas-y. Oh non, mais ouais non, et ouais, et donc en fait, pour l'auteur là, de cet article, Cory Doctorow, il explique que cette manière d'avoir une interopérabilité assez efficace. Bon, c'est ce qui nous permet par exemple de changer de banque facilement maintenant ou des choses comme ça, hein. C'est des corollaires assez puissants en Europe, hein. C'est très très facile maintenant de changer d'acteur, hein, surtout dans tous les domaines, et normalement c'est censé être pris en charge par les acteurs eux-mêmes, le coût de transfert de la donnée. Bref, ça a permis de mettre en place des sortes d'agrégateurs, hein, qui permettraient théoriquement d'avoir les mêmes informations dispatchées sur plusieurs réseaux sociaux différents, et de sortir par exemple d'un réseau social sans perdre les bénéfices de ce réseau, parce que en fait on interagit toujours avec lui via un biais, voilà, une sorte d'agrégateur assez faible. Et le gros point de cet article, c'est de dire que souvent, on pense que les grosses boîtes de numérique ont acquis un énorme monopole parce que à cause de ce coût de sortie,
et qu'il est difficile de les concurrencer ou d'entrer sur un marché qui est déjà très très agrégé par quelques petits acteurs, Facebook, Google ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est pas tant ça le souci, puisqu'il y a plein d'alternatives maintenant et d'alternatives interopérables entre les différents acteurs. Donc, c'est-à-dire on n'est plus si dépendant que ça de ces acteurs. C'est plutôt la politique économique qui est un peu cachée derrière cet argument monopolistique, qui est en fait, enfin, d'agrégation du réseau, quoi. Et en fait, cette politique économique hyper agressive qui consiste à racheter en gros tous les concurrents dès qu'ils commencent à émerger. Et ça, en fait, voilà, l'idée de cet article, c'est de bien expliquer que, voilà, en fait, il faut juste assumer le fait que les gros acteurs, c'est des prédateurs, qui veulent garder leur monopole et puis qui restent toujours à la ligne limite, que ce soit pour l'Union européenne ou pour les États-Unis, de la situation de monopole absolu qui les ferait tomber sous la loi antitrust et voilà. Et donc voilà, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Voilà, moi j'ai bien aimé cet article. Je trouve que ça remet un peu d'économie dans d'économie et puis d'idées parfois qu'on oublie un petit peu le fait que l'Europe, la politique a quand même un impact assez important sur la manière dont on peut interagir avec des données et puis qu'il n'y a pas de fatalité à être soumis à des grosses boîtes. Mais en ce moment, je vois plein mal de gens qui essaient de sortir justement de Google, de Facebook, de YouTube, avec de plus en plus de facilité. Hein, il y a de plus en plus d'outils. Hein. Là, j'ai vu que ProtonMail avait fait une nouvelle release, par exemple, où c'était leur design de UX, elle est, enfin, une nouvelle. Je suis pas leur actualité tous les jours. Je trouve le UX, elle a un an, mais pour moi, c'est nouveau. Ça grossit beaucoup Proton, hein. Globalement, il y a de l'actu régulièrement et ils embauchent de ouf et enfin c'est quelque chose qui grossit très très fort. Et j'ai lu récemment un article sur un mec là qui était capé le switch, et en gros sa conclusion c'était en fait c'est bien, c'était une user expérience, elle est trop cool quoi. Et c'est moderne et surtout c'était facile d'y aller quoi, je m'attendais à galérer de ouf et voilà. Donc je trouve que voilà, une des bonnes choses de la régulation parfois c'est ça peut être ça. Pas ce que vous en pensez. Moi, j'avais pas lu l'article, mais enfin, je l'ai regardé en diagonale. Mais c'est quoi le blog d'où vient cet article? C'est un médium qui s'appelle One Zero. One Zero. J'aime bien. En fait, je le regarde pas si souvent que ça, mais c'est une sorte d'agrégateur d'articles médium sur les sujets tech. D'accord. Tech et tout ce qui est privacy, loi du numérique, un peu tout ce dont on parle régulièrement ici. Voilà, c'est pas mal. Après, c'est médium, donc c'est le style très... c'est du storytelling, quoi. Ouais, ouais. La rédaction. Mais ça se lit bien. Ouais, je connaissais pas. Moi, je crois que je... Bah, c'est des agrégateurs, souvent. Mais le sujet est intéressant. Alors après, moi, le jour où il va falloir que je me sorte de Google, Twitter, YouTube, ça va être complexe. Je serais plutôt prêt à leur filer du pognon pour avoir plus la garantie que mes données ne sont pas mal utilisées, on va dire. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plus qu'à partir de mes données, globalement, tu es capable de me reproduire et de me faire dire ce que je veux. Ouais. Après, si ça me dérange, j'allais dire, j'ai pas grand chose à cacher. Je ne me dérange pas que mes données soient utilisées pour la recherche, des stats, de la sociologie, des choses comme ça. Le seul truc qui me fait peur, c'est cette espèce de jumeau numérique qui pourrait me faire dire n'importe quoi. Et j'y avais jamais pensé jusqu'à une conf que j'ai vue il y a quelques années à Lyon. Alors j'ai oublié le nom du mec. Mais il m'a fait frémir et je me suis dit en même temps, oh purée, en plus c'est trop tard, je suis dedans à fond quoi. Et, on est tous un peu. En sortir, ça va pas me simplifier ma vie. Alors je suis pas utilisateur de Facebook, j'ai un compte, j'utilise jamais. Donc s'il faut quitter Facebook, ça sera facile. Ça va avoir un impact. Il va falloir que je quitte WhatsApp.
Donc, pour organiser mes apéros avec mes amis qui ne sont pas informaticiens, ça va être plus compliqué. Mais je trouverai des solutions. Mais ça, effectivement, ils en parlent dans l'article. C'est-à-dire le poids que tu as sur les réseaux sociaux de tes connaissances, en fait, qui t'empêche de partir, qui te retient, en fait, de partir. Parce que, voilà, sur WhatsApp, tu as tous tes potes alors que tu aimerais bien aller sur Signal. Sur Facebook, c'est pareil, etc. Et c'est vrai que c'est un peu pénible. Ouais, je n'ai pas dit ça, mais voilà, parce que la conclusion, en gros, c'est ce qui nous laisse faire rester dans ces grosses compagnies, c'est moins le coût de sortie que l'engagement qu'on a avec notre réseau. Mais l'engagement qu'on peut diminuer grâce à des solutions d'interopérabilité qui nous permettent de garder cet engagement avec nos amis sans être vraiment... DuckDuckGo qui nous permet de faire des recherches Google sans vraiment laisser de grosses traces sur Google, quoi, en un peu normalisant notre trace, quoi. Ouais. Mais je pense que, ouais, moi je partage le... Je crois que j'ai plusieurs systèmes de chat que je quitte pas alors que j'aimerais, juste parce qu'il y a tel groupe, il est sur celui-là, tel groupe, il est sur l'autre. C'est la plaie, quoi. Du coup, j'ai WhatsApp, Telegram, Signal. Ouais, Messenger. J'ai jamais eu autant d'apps de communication qu'actuellement. Hein. Discord, Slack, Twitter, DM. C'est... Moi, ma home de smartphone, c'est quasiment que des trucs de chat et de discussion, quoi. C'est... J'ai 16 ouais. trucs de discussion sur mon téléphone, je viens de compter. Et j'ai un dossier dédié qui s'appelle communication. Faites le test chez vous et regardez votre home de smartphone. Ouais, je ne sais pas si je suis à 7, mais je ne dois pas être bien loin. Ouais, J'ai WhatsApp, Messenger, Twitter, Insta. Je m'en sers aussi pour faire pas mal de messages de DM. Insta, je n'utilise quasiment plus. Signal, Telegram... Après, Insta, je n'utilise plus parce que je trouve que leurs publicités sont devenues beaucoup trop intrusives et nombreuses. Ouais, mais tu t'es fait que écrire avec. Ouais, mais si tu veux, avant, ça ne me dérangeait pas d'avoir des pubs, voire même j'ai acheté des trucs qui m'intéressaient. Donc tu te dis, tiens, on m'a proposé une pub qui est intéressante. Alors là, tu te dis, comment ils ont fait pour savoir que c'était intéressant pour moi? Et tu commences à avoir peur. Mais peu importe. Mais ça allait, j'y trouvais mon compte et puis à un moment donné, ils ont changé quelque chose dans je sais pas si c'est la navigation, la façon de te proposer tes images. Moi, j'aime bien voir les images des potes, mais j'aime bien voir les miennes aussi. Et en fait, j'ai pas finalement accès facilement à ce que j'ai publié, parce que moi, c'est un bloc-notes quelque part, un bloc-notes photo. Du coup, j'y trouve plus mon compte et j'utilise quasiment plus. Ouais, c'est pas fait pour ça. Hein ? C'est pas fait pour faire un bloc-notes photo, clairement, c'est fait pour monétiser des images et vendre des trucs. Oui, certes, mais disons que moi, dans mon utilisation, alors ça me dérangeait pas qu'ils utilisent mes images ou quoi que ce soit, mais dans mon utilisation, juste pour savoir que il y a un pote qui est à tel endroit ou que moi j'y suis, et puis retrouver dans l'histoire de mes vacances un endroit. Je publie pas n'importe quoi, si tu veux, mes enfants sont pas sur. Enfin, eux, ils sont connectés, ils ont un compte, mais moi, je ne publie pas de photos de mes gamins, de ma famille. Mmh. J'aimais bien. Après, tu as d'autres applications qui existent pour essayer de faire un service similaire, moins intrusif, machin, mais en fait, tu n'as personne dessus. Donc, ou en tout cas, il n'y a pas de gens de ma génération. Le ou avec fameux effet réseau. Ouais. Voilà, donc on y revient. Mmh. Mais Instagram me manque pas tant que ça. Instagram, moi, au niveau des pubs, enfin là, c'est une digression un peu, mais il y a un truc que j'ai pas compris en toi, mais j'ai l'impression qu'ils font que du dropshipping, quoi. Il y a plus rien d'autre. Ça, c'est peut-être que c'est que ces gens-là qui achètent les pubs, par contre, c'est peut-être plus ça. Mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de qualité de publicité ciblée, je veux dire, c'est un peu un effet inverse, quoi. Si on veut me toucher et me donner envie d'acheter, mettez-moi des trucs de qualité. Il y a plein de choses que j'ai envie d'acheter et qui pourraient me plaire. Et forcément, des choses sur lesquelles, franchement, j'ai pas forcément accès, quoi. Enfin, un accès rapide ou une connaissance de l'existence du produit. Tu veux dire que t'en as marre des pubs pour Wish.com? Par exemple, on me propose des chaussures en ce moment. On propose des chaussures super jolies, mais tu regardes des trucs avec 15 balles, tu dis waouh. Wish. Je vous propose d'arrêter la digression et de passer au lien d'après, qui est quand même un peu lié à tout ceci, qui est une vidéo que j'ai ajoutée, qui est une vidéo de Thinkerview, et je suis pas toujours très très fan de Thinkerview et de leur débordement
complot russophile, mais cette vidéo-là, elle est assez cool, surtout que c'est Benjamin Bayard et Marc Riss. Alors, Marc Riss, c'est le rédac-chef de Next Impact, et Benjamin Bayard, c'est le président de l'Association des fournisseurs d'accès à Internet français, la fédération des FDN. Je ne sais plus comment ça s'appelle, FFDN, je crois. Bref, c'est un... j'en ai déjà parlé, j'ai déjà mis en lien sa première conf assez connue qui était Internet Libre ou Minitel 2.0, qui était hyper intéressante. Et là, ils vont aborder... donc c'est un monsieur qui est dans le réseau et dans les internets depuis le début, en gros. Il n'a pas des billes dans la... Enfin, des billes. Il n'est pas un peu dans la quadrature du net aussi? Il est dans ce réseau-là aussi, ouais. Et donc là, ils ont été invités par Thinkerview pour causer de plein de trucs, parce que, comme d'habitude, tu laisses 2 heures aux gens, les gens digressent. Alors, ils sont probablement plus focus que certains messages à caractère informatique qu'on a fait, mais quand même, parce que du coup, ça parle pêle-mêle de passe sanitaire, de géopolitique de la data, de copie privée, parce qu'il y a eu le fameux amendement sur la copie privée. Ah, comme d'habitude, Jean-Jacques Goldman et Maître Gims sont montés au créneau pour protéger leurs droits. Ce qui fait que quand vous achetez, ça, je pense que Gaël en a déjà parlé dans l'épisode où j'étais pas là, donc je vais éviter d'en remettre une couche. Vous écouterez l'épisode d'avant ou d'avant-avant, je ne sais plus. Je suis pas sûr que c'est une défense des droits des auteurs. Hein. La copie privée, c'est pour rémunérer les interprètes. Alors, dans la vidéo, Marc explique super bien. Il y a vraiment un segment très très long dessus, parce que moi j'étais persuadé que c'était lié au piratage. Mais en fait, quand tu aimais une œuvre, donc tu dis interprète, ça peut être genre si tu joues une sonate de Beethoven, que tu l'enregistres, t'es pas l'auteur, t'es l'interprète, mais pour autant. L'interprète, normalement, tu tombes sous le coup de la copie privée en termes de rémunération. En fait, la copie privée, c'est quelque chose qui est géré par la DAMI en France. Ouais. Après, tu as plein d'autres organismes qui récupèrent de l'argent de différentes manières. C'est ce qu'il explique dans la vidéo. Tout ce qui est, toutes les taxes qui sont sur les supports vierges, audio et vidéo, et maintenant, donc qui étaient avant analogiques, mais numériques maintenant, servent à rémunérer en fonction du taux de diffusion des gens, des interprètes, uniquement des interprètes. C'est à rémunérer les interprètes ou leurs ayants droit, en fonction de quand ils ont été diffusés, pendant combien de temps, sur quel médium, et dans quel pays aussi, parce que tu as des sociétés jumelles dans tous les pays du monde, et ils s'échangent des données. Alors, ça a peut-être évolué, parce que moi, en fait, j'étais le responsable informatique de la DAMI, mais il y a très, 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 très longtemps, et c'est moi qui bidouillais le programme de répartition, justement, des montants de la copie privée. Combien de vies a eu Philippe Charrière? Voilà. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, et pourtant, on a beaucoup parlé de ce que tu as fait. C'est la première fois que j'entends dire ça. Si, on a dû en parler, mais 3 heures du matin. Oui. Voilà. Et où en fait, t'aimes tout le monde et on se dit tous d'accord. Et tu es juste en train d'hésiter entre un prochain ER ou aller dormir. Avec la tronche en biais, oui. Voilà. Donc, je referme la parenthèse sur la copie privée et je re-regarderai, parce que l'émission, je l'ai pas regardée, je l'ai écoutée en faisant mon marché. Ouais. Donc, il y a des trucs qui m'ont échappé. Moi, il y a les deux sujets qui m'intéressaient le plus étaient la partie fichage, entre guillemets, et la partie, j'ai plus le terme, mais on va dire hub médical. Oui, l'US Data Hub. Il parle beaucoup du LS Data Hub et de ce qui a été fait avant, qui est sensiblement similaire et de comment ça va être géré. Ouais. Et puis, effectivement, il y a un long segment sur le choix qu'a fait l'Union européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne de délibérément... protéger les données avec le droit du citoyen et pas le droit à l'entreprise, ce qui est à l'opposé de ce qu'on fait la plupart des autres pays hyper intéressant. On a coupé Uber. Non, alors sur la copie privée, oui, t'allais dire que c'était un peu... Sur le segment copie privée, moi j'ai vraiment appris comment fonctionnent les gens qui gèrent ça, donc tout ce qui est prélevé. Ils reprécisent que c'est pas une taxe, c'est une... contribution. Une redevance, enfin voilà. Et il explique qu'a priori, quand tu es auteur, tu crées une œuvre, tu as un monopole sur cette œuvre, que si quelqu'un veut copier ton œuvre d'un CD à une cassette audio pour mettre dans sa bagnole, hein, parce qu'à la base c'était un peu ça, il doit te demander l'autorisation et que ce système de copie privée a été créé pour que
t'es pas besoin d'aller demander à chaque auteur, etc. On part du principe qu'on te délègue ce droit et cette copie privée est une... j'ai pas le bon terme, c'est pas dédommagement, mais c'est un autre terme dans ce genre-là. Pour pardon ? Une compensation ? Ouais, voilà, c'est un truc dans le genre. Une compensation pour le fait qu'on t'a octroyé de base ce droit de copier privé, et donc de faire une copie privée. Et donc, c'est pas lié au téléchargement, que depuis que les manières de faire des copies privées ont évolué, ça a pas forcément beaucoup changé. Depuis que beaucoup de gens font du streaming, enfin, du légal, hein, je veux dire, on fait moins de copies privées qu'avant. Et il explique, donc, à mon avis, en partie, ce pourquoi tu as bossé, Philippe, comment sont répartis les gens qui décident de ça. Il y a la moitié des gens qui sont des sociétés représentant des ayants droit. Il y a la moitié qui sont autres. Et donc, il y a des fabricants de matériel et des représentants des consommateurs. Voilà, je ne vous refais pas la vidéo, mais moi, j'ai appris énormément de trucs. Parce que j'étais persuadé que c'était un truc qu'on avait inventé pour dire « Ah, mais il y a du téléchargement, du coup, vu que les gens ils copient sur des CD vierges, on va taxer les CD vierges. » Ouais, non, ça existait avant, mais par contre, je creuserai sur le sujet parce que pour moi, la partie de tout ce qui concernait les supports vierges ne conservait en termes de redistribution d'argent, ne concernait que les interprètes et les auteurs étaient gérés par un autre système. Et ce qui leur revenait, c'était pris ailleurs et pas là-dessus. Donc, ouais. Mais j'irai demander parce que j'ai un copain, il me semble qu'il est encore sociétaire à la Dani. Et je demanderai à l'occasion, alors ça sera pas pour. On discutera de ça autour d'une table ou on tweetera, j'en sais rien, mais ça vaut le coup de retravailler sur le sujet. Parce que c'est un monde super intéressant, complexe. Je ne retournerai plus jamais y bosser dedans. C'est comme il y a de trucs, tu vois, je ne veux pas les bosser dans la grande distrie, je ne veux pas les bosser non plus là-dedans. Mais c'est extrêmement intéressant. Là, on n'en a pas parlé, mais le souci principal de tout ce qu'il y a eu autour de la copie privée, c'est que ça s'applique à tout ce qui est reconditionné. Donc en fait, c'est une double peine de la taxe a déjà été payée quand tu as acheté le support à l'origine, et le fait que ce soit reconditionné et que tu achètes un truc d'occasion te refait payer une taxe. C'est et pas du une taxe. Coup, les gens disent, mais ça a été payé deux fois, enfin, c'est une taxe, une compensation. Après, non, je leur dis ce que Marc le dit 17 fois dans la vidéo et ça devient drôle. C'est pas une taxe. Bref, c'est un problème de reconditionnement là, surtout qui a beaucoup gêné les gens. Et mais à ce niveau-là, là, il y a sur la copie privée. Enfin, moi, je trouve que ça résonne pas mal avec un débat qu'il y avait eu il y a quelques années. Il y a peut-être un ou deux ans sur YouTube, là, quand il y a eu des mises à jour de conditions d'utilisation, l'article, je sais plus quoi, là, ça a fait un grand bruit dans chez les YouTubeurs, parce qu'il y avait un projet de loi de faire une sorte de SACEM pour YouTube rémunérer les auteurs et puis qu'il y ait moins de vidéos qui soient un peu, enfin, que ce soit mieux fait le blême en fait des vidéos, et puis c'est vrai que les gros groupes d'ayants droit qui arrivent à tout récupérer là. Et parce qu'en fait cette histoire de redistribution, enfin pour moi ça résonne un peu avec la même chose quoi. C'est-à-dire que la manière dont une œuvre elle est réutilisée, il y a une manière où en fait où les différents diffuseurs, producteurs et auteurs sont associés via des sociétés de distribution, enfin, sociétés d'ayant droit, la SACEM et des équivalents. Et puis, comment tout ça communique pour échanger de la thune, quoi. Bon, c'est archi complexe, mais je trouve que c'est assez intéressant et je trouve que ça résonne un peu avec ce débat-là qui avance. Mais finalement, c'est pas si mal parce que ça veut dire qu'on va quand même converger vers un truc plus juste, quoi. Si les nouvelles façons de créer des vidéos ou de créer du contenu, elles sont plus protégées et mieux rémunérées, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a juste un truc que je comprenais pas avec la copie privée qui me fait penser à. Enfin, voilà, c'est une réflexion que je suis faite. C'est en fait, c'est quand même on nous dit pendant longtemps que c'est une taxe, enfin, que c'est pas une taxe du coup, que c'est une contribution, parce qu'on va considérer que comme ça, par défaut, tu as le droit de faire un truc. Mmh. Mais la manière dont je comprends, c'est que du coup, je devrais pouvoir avoir le droit de ne pas le faire. Et donc, du coup, de ne pas avoir à payer cette taxe. Enfin, moi, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Bah, du coup, dans la vidéo, alors je crois qu'il parle...
L'idée, oui. C'est plus proche d'une redevance pour résoudre un préjudice. Voilà, je crois que c'est à peu près les mots qu'il utilise. Mais du coup, ouais, il revient là-dessus et que si tu achètes 14 disques durs sur lesquels tu as payé cette redevance, etc., en tant que professionnel, tu as le droit de te faire rembourser. Par contre, c'est un parcours du combattant pour faire le CERFA, machin. Et qu'en fait, souvent, les gens ne le font pas parce que tu vas passer une heure pour récupérer 5 euros. Parce que c'est une taxe qu'on paye sur les terras et les terras de nos clusters. Ouais, c'est pas une taxe. Okay. Non, regardez la vidéo, vous comprendrez pourquoi je répète ouais. Ça. Mais il parle de plein d'autres trucs de la vidéo. Je sais pas si voilà, j'allais dire, dans cette vidéo, il y a tellement d'autres sujets. Moi, ce que je Elle trouve est hyper riche, hein. intéressant, c'est... Moi, quand j'ai passé une cassette vierge, pour pouvoir enregistrer dessus, je repayais pas, quoi. Ouais. Non, j'allais juste dire... N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui ne sont pas forcément dans notre milieu. Moi, j'ai un pote qui est auteur de BD, donc il y a un moment, ce n'est pas vraiment quelqu'un dans l'IT, qui m'a dit « Ah, tu l'as vu, cette nouvelle vidéo de Thinkerview, etc. » Et il a appris plein de choses, parce qu'en fait, Benjamin Bayard en particulier, mais Marc aussi, sont ultra pédagogiques sur ces sujets de dès que tu crées un fichier avec de la donnée, c'est dangereux, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant en tant que citoyen, en fait. Ils expliquent ça hyper bien et c'est d'autant plus rigolo que le niveau de pédagogie est associé à l'audience qu'ils ont. Et globalement, c'est des gens qui passent leur temps à éduquer la vie politique depuis des années. Donc forcément, quand tu éduques des politiques, il faut descendre. Il faut être très pédago. Et puis, il ne se laisse pas trop faire par le mec de Thinkerview, ce qui est agréable aussi. C'est ça. Mais bon, voilà, ils ont pas parlé que de la coco crève, hein. Ils ont parlé oui, que non, de la noté, hein, qui m'a, tu as déjà évoqué, Laurent, c'est tous les aspects, les différences juridiques entre Europe et USA, ça m'avait vraiment plu, intéressé. Et puis, il a rappelé des trucs, en fait, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure sur sur le vote électronique, en fait, quand il parle de l'ordinateur comme quelque chose de fatal, c'est-à-dire en tout cas de quelque chose qui n'est pas du tout qu'on subit, quoi. On peut pas négocier ou on peut pas surtout on peut pas faire gérer l'imprévu, quoi, en informatique. Et je sais plus ce qu'il donne comme exemple. Je crois qu'il donne le prénom de Cédric O, en l'occurrence. Cédric O, hein. Et tu peux pas négocier avec une machine quand t'as dit dans le formulaire le nom c'est 3 lettres minimum et que ton nom c'est O, mais voilà. Parle un peu de ça. Et donc, il parle beaucoup de data, et du coup, je vous propose de passer au lien suivant qui parle aussi beaucoup de data, qui est un lien de Victor Balu. Trop de données, tu l'as donné. Oui, alors je vais résumer comme ça. Attendez, voilà. Faut que. Je vais résumer comme ça, mais c'est un article qui est assez long et assez intéressant. Bon, il prend un peu de temps quand même à se développer dans l'article, mais on pourrait le résumer en disant que l'intelligence artificielle, actuellement, l'objectif général de plein de monde, qui est pas mal répondu, c'est l'idée que plus on aura de données, plus on aura de matière, en gros, à manipuler pour pouvoir créer de la connaissance, quoi, du savoir et insérer des choses dessus. Et puis faire des choix, surtout. Voilà. Et... en faisant un petit peu, en creusant un petit peu les recherches pour ce podcast, je me suis rendu compte, bon, j'ai pas mis de lien dessus, mais qu'il y a eu, je sais pas pour quelle raison, ces 3 dernières semaines, il y a eu énormément de discussions, d'articles, de débats autour de la notion de biais en intelligence artificielle. Bon, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est une sorte de pontif. Maintenant, tout le monde est au courant qu'il y a des biais en intelligence artificielle. On a eu des problèmes d'algorithmes racistes. Aux États-Unis, un exemple qui est souvent partagé, c'est celui des algorithmes de justice de la Cour de justice américaine qui a tendance à en fait, ils font un pré-traitement des affaires par des intelligences artificielles aux États-Unis et il a été montré par diverses universités que il y a un effet de surapprentissage, en fait, vu que statistiquement, à cause de biais sociologiques, il y a plus de noirs en prison, globalement, et plus de noirs condamnés, bah lui, l'algorithme a tendance à plus condamner les noirs, à plus présupposer que si t'es noir, tu vas faire une connerie. Ça fait une caisse de résonance.
Voilà, en fait, du coup, Circulation. ces algos reproduisent des biais sociologiques et de la so enfin, en tout cas, des biais sociétaux, quoi. Et voilà, donc ça, c'est vraiment des choses un peu connues, et on en parle beaucoup en ce moment. Et une des pistes, enfin, une des remarques proposées par cet article, c'est de dire que, bon, ok, c'est bien beau d'avoir beaucoup de données, c'est vrai qu'on peut passer beaucoup, beaucoup de temps à travailler la donnée, à essayer de réduire ces biais, on va énormément, enfin, voilà, il rappelle une statistique extrêmement connue également, qui dit que 80% du temps d'un data scientist, c'est de nettoyer la donnée, c'est d'essayer de la normaliser, sauf que déjà démontrer que ton jeu de données est équilibré, n'a pas trop de biais et tout, c'est en soi déjà c'est impossible. Parce que tu t'appuies sur plein de, en fait, tu rajoutes des suppositions ad hoc à ton jeu de données en disant bon alors je vais travailler sur un jeu de population, faut que et mon ensemble d'équilibre ça doit être telle et telle et telle caractéristique. Mais vu que toi tu travailles souvent avec beaucoup plus de champs, genre parfois tu as 500, 600, 800, 1000 caractéristiques pour chaque individu de ta population, tu peux pas savoir toi quelle est la répartition de tous. Enfin, c'est extrêmement compliqué de voir un peu l'équilibre. Bon, le propos en fait pour être assez rapide et faire simple, c'est de dire que finalement peut-être que c'est le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on se focus trop sur essayer d'équilibrer la donnée et d'avoir des algos équilibrés, ça nous prend énormément de temps, mais finalement, en fait, on pourrait peut-être essayer de repenser et de se repositionner sur qu'est-ce que c'est qu'un vrai raisonnement et qu'est-ce qui apporte de la valeur à un raisonnement, à une prise de décision et tout. C'est moins finalement la donnée qu'on a pour prendre ce raisonnement que le contexte dans lequel on a cette donnée. Et il est peut-être intéressant de dire que essayer de faire qu'on pourrait faire en sorte que nos algos aient connaissance de ce contexte, s'appuient sur le contexte, aient conscience de la possibilité du biais, mais en fait, face avec, comme on fait nous-mêmes. Nous, au quotidien, on a notre perception locale autour de nous, on a nos connaissances variables et on a nos présupposés. Et donc, à chaque fois, on va prendre des décisions et faire des suppositions sur avec tout un tas de biais. En fait, on va évaluer le risque apporté à chaque fois, selon le contexte, par le biais qu'on a, qu'on potentiel qu'on pourrait avoir. Alors, quand il s'agit de faire des courses et d'acheter du pain, même si on se plante un petit peu et qu'on voilà, on a une marge de tolérance qui est beaucoup plus élevée que quand pour mon boulot, je construis une voiture autonome et qu'il y a voilà, là on va faire plus attention. Et mettre en considération tous, alors là j'extrapole un petit peu, mais mettre en considération toutes ces histoires de contexte et dangerosité entre guillemets de l'impact puissance de l'impact de la décision. Un truc, c'est quelque chose qui nous permet de très selon l'article j'ai envie de dire dealer avec et d'accepter que on n'aura pas de jeu de données équilibré et sans biais, c'est impossible. Finalement, au lieu d'essayer de dépenser des milliards d'euros et de dollars dans des techniques qui ne font que repousser le problème pour finalement prendre de décisions qui sont toujours biaisées et de moins en moins assumées. Parce que c'est un peu difficile d'assumer qu'on avait un jeu de données biaisé quand on a mis 5 milliards d'euros dedans pour les débiaiser. En fait, il faut essayer de penser. Alors, eux, ils appellent ça l'antifragile AI. Bon, c'est leur terme. C'est quelque chose qu'ils considèrent comme un algorithme qui est capable de prendre apporter nos. Prendre une décision, en tout cas, faire des suppositions sur un contexte et en fait, et être résilient au biais. Voilà. Une des solutions qu'ils proposent, c'est de se concentrer sur le contexte de données et surtout sur les relations entre les acteurs impliqués dans la décision. C'est-à-dire que si mon acteur c'est une voiture autonome et son environnement, je vais être beaucoup moins tolérant que, comme je disais tout à l'heure, si je vais acheter mon pain ou que voilà. Donc les acteurs, ça va être l'impact de ma décision, ça va être aussi les connaissances qu'on a et puis la confiance qu'on a dans les autres acteurs et que l'algorithme peut avoir dans l'acteur, dans les données qu'il prend. Voilà.
Donc, j'ai résumé en. Bah, c'est vraiment un très très gros résumé. Hein. Faut un peu creuser. C'est assez, assez difficile que ça à dire. C'est, moi, je trouve ça intéressant parce que ça change un petit peu l'approche qu'on a de la donnée qui considère souvent que plus on en a, mieux c'est. La sacro-sainte donnée. Moi, je trouve qu'il y a trop de gens qui se disent parce que le truc a dit ça, alors c'est ça. Et ouais. Ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'il t'explique bien que c'est aussi un problème du X. C'est-à-dire que c'est de l'aide à la prise de la décision, pas une prise de décision suivant, comme tu disais, les contextes. Et ils disent bien que ça ne se joue pas que sur la partie learning AI, etc. Ça se joue effectivement sur le contexte, tout ce qu'il y a autour. Et nous, en tant que développeurs, comment est-ce qu'on intègre l'utilisation de ces trucs-là dans le flow habituel et vraiment de spécifier suivant les contextes que c'est de l'aide à la prise de décision la plupart du temps et pas la réponse, c'est ça, parce que du coup, bah, s'il y a un biais... suivant ce pourquoi c'est utilisé, ça peut avoir des effets dévastateurs. Je ne peux pas m'empêcher de penser à dimanche soir où au final, tu avais énormément d'experts qui prenaient des constats, des réflexions sur les résultats des votes sans prendre en compte le biais que c'est les votes de à peine un tiers de la population, quoi. Et donc, je suis pas hyper optimiste, mais je me dis qu'il y a, parmi les data scientists, il y a peut-être un peu plus de gens prêts à trouver des moyens, parce que techniquement, ça va être difficile de faire des algos qui prennent en compte les biais et le contexte, beaucoup plus que parmi nos experts politiques. Alors moi, si je peux te dire un truc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que actuellement, il y a vraiment une contrainte à la fois juridique et aussi une volonté... dans le cadre du travail, par exemple, pour rendre plus clair, c'est une volonté d'ouvrir la black box des algorithmes d'intelligence artificielle, enfin, voilà, de mettre de l'explicabilité, au moins, voire de l'interprétabilité. Et en fait, ça, c'est contraint à la fois par la loi, notamment en Europe, mais globalement aussi par tes collègues qui veulent comprendre ce que tu fais, pourquoi ça marche et tout, avoir un peu confiance en l'algo. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper... voilà, il y a des articles tout le temps là-dessus. Bon, voilà, c'est un truc qui est très en vogue. Et ça, en fait, une des manières de résoudre ce problème, c'est de dealer avec le biais de prendre conscience, c'est de rajouter du contexte. Et de mettre en évidence le contexte. C'est-à-dire que parfois, on ne peut pas le supprimer. Et genre, si au lieu de supprimer juste, tu dis « ma donnée, elle vient de là dans tel contexte », et ben le mec qui va voir la donnée, ou la meuf, hein, enfin, c'est inclusif, il va savoir, il va pouvoir lui mettre un avis sur la valeur qu'on va donner à sa donnée. Pour reprendre ton exemple des résultats là, de dimanche, si on prend juste des données brutes, il y a des gens qui donnent des résultats à la télé le soir. Et je prends un algorithme totalement stupide. Bah, lui, il va avoir des résultats qu'on donnait. Sauf que si tu prends le contexte, que c'est sur un plateau télé fait par des politiques, dans un contexte où chacun veut essayer de vendre sa paroisse et de minimiser ou maximiser sa popularité, disons, ou en tout cas son intérêt politique. Bon, t'as pas de contexte, et bah tu vas prendre des résultats qui vont avoir une valeur assez faible. Alors que si tu prends le contexte de là, bah tu vas pouvoir relativiser et dire attends, cette personne m'intéresse, c'est ça, on est là. Et moi je trouve que c'est ça un peu qui me rassure, c'est qu'en ce moment on arrive à une certaine limite de ce qu'on a envie de faire avec des gros algorithmes très obscurs. Et on est en train d'essayer de d'éclaircir tout ça, d'ouvrir un peu la boîte. Et puis, une des techniques qui est hyper utilisée, c'est ce genre de choses. Est-ce que ça a marché? J'en sais rien. Mais enfin, j'espère, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que les gens ne sont pas en train de se rendre compte que l'intelligence artificielle n'existe pas et que c'est que de la stat? Bah voilà, la go, c'est stupide. Hein. Mais... voilà. Après, il faut je sais pas si démocratiser est le bon terme, mais disons qu'il faut mettre aussi ce concept un peu à la portée de la personne moyenne, démystifier. Je fais partie pour la comprendre. Moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. J'ai eu des cours d'IA, alors d'une simplicité désespérante, on va dire, quand j'étais en master. Alors, je sais pas si ça venait de la prof ou peut-être de mon petit cerveau. J'ai décidé de pas continuer dans ce monde-là, même si c'est un truc qui, pour moi, c'est de la science-fiction et j'adore. Et j'aimerais bosser que dans des trucs de science-fiction. Mais par contre, des fois, je tombe sur des articles d'une limpidité
certaines personnes savent mettre ça à la portée de tout le monde pour au moins te faire comprendre le concept du biais, justement. Oui. En plus, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un biais en général. Donc, et ça te permet de finalement être un peu moins con, pas que intellectuellement, enfin, pas que dans tes connaissances, mais aussi dans ta façon d'être vis-à-vis de l'autre. Donc, ça fait progresser. Si tu commences, enfin, je veux dire, moi, je sais que quand je commence à apercevoir un petit peu, je lève le voile et je commence à me rendre compte du champ de conscience que je devrais avoir pour comprendre tout ça. J'ai un vertige hallucinant, donc je le mets de côté. Et puis, je vais juste lire les ouvrages de vulgarisation. Ma lecture de l'été dernier, c'était aux Religions. Et dedans, j'ai trouvé quelques phrases qui m'allaient bien pour arriver à briller en société, mais au moins à comprendre deux, trois concepts. Mais je trouve que c'est super difficile à assimiler. Alors, si moi qui suis dans l'info et du mal, j'ose pas penser des gens qui font pas d'info du tout, qui sont pas mathématiciens non plus. Après, peut-être que les philosophes peuvent l'assimiler parce que c'est aussi un concept. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est moi je suis pas trop inquiet pour ça parce que en vrai. C'est juste une nouvelle technologie et on va l'acquérir selon les mêmes mécanismes. Mais toute nouvelle technologie, elle met un peu de temps à se propager, à se faire ressentir au sein d'une population. Et au final, par exemple, toi, t'es pas plus surpris, tu comprends vaguement les mécanismes et les enjeux de ta télé ou de ta voiture, sans être forcément mécanicien ou expert en communication. C'est juste que maintenant, on est habitué dans la société à ces technologies, on sait comment y interagir, on a été passivement éduqué. Et je pense que ça va faire exactement la même chose pour ces nouvelles technologies. D'ailleurs, on le voit bien, hein, je dis des jeunes comme un vieux, mais les nouvelles générations ont une maîtrise de leur image bien plus puissante sur les réseaux, que bien plus efficace que nous. Il y a débat, hein. Franchement, tout le monde a plein de choses. Je ne suis pas convaincu non plus. Peut-être que j'ai tort là-dessus, mais en tout cas, je sais qu'il y a une aisance, en tout cas, avec les technologies qui va avec les générations. Il y a une aisance à l'usage. Ouais. Oui, à l'usage de certains trucs. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on comprend quand même le contexte, souvent les enjeux de plus en plus. C'est ce que, si je peux me permettre de rajouter ma petite touche de philosophe, là, pour étaler un peu les gens ne savent pas ton background, parce qu'il faut noter que Victor, que je connais depuis longtemps, a une double licence maths-philo, donc il a une licence de philo, donc il a le droit de dire ça. Non, mais voilà, c'est un petit name dropping, là, c'est intéressant, il y a Günther Anders, qui est un philosophe des techniques, qui il a fait ça alors, je ne sais plus exactement quel est ça, mais lui, il considérait le principe d'une sorte d'interaction globale de tout le monde envers la technologie. Et en fait, il parle de l'obsolescence de l'homme. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de courir après la technologie parce qu'on est, elle évolue tout le temps. Et nous, on est un peu freiné par nos habitudes et par nos usages quotidiens. Et en fait, plus on est jeune, moins on a d'habitudes, plus on arrive à... Ouais, et puis on va enchaîner, mais... Puis on arrive à se projeter sur les nouvelles technologies puisqu'on est moins retenu par nos habitudes. Mais par contre, on est obsolète dans le sens qu'on ne peut plus s'en passer, même si on pourrait continuer à écrire en face sur le papier. Mais comme vous êtes tout à l'heure avec le vote ou des choses comme ça, maintenant on n'envoie plus de lettres quand on écrit des mails. Et c'est dur de faire autrement pour vivre en société. C'est bien que tu prennes cet exemple-là parce que tu as plein de jeunes où on pourrait penser qu'ils savaient écrire un mail, mais en fait non. Parce qu'ils ont un téléphone ou une tablette au bout des doigts et qu'ils savent se servir d'un téléphone ou une tablette, qu'ils savent écrire un mail. Et il y a pas mal de profs qui sont désespérés de ce truc-là, où tout le monde a dit « Regardez, c'est génial, la fracture numérique se résorbe, tous les jeunes savent faire des trucs. » En fait, c'est vrai. C'est vrai, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, la société va nous forcer à, vu qu'elle avance et qu'on veut rester dedans, la société et le marché, en fait, ce qui est intéressant dans ces histoires d'outils et d'adoption et ce genre de choses, c'est que le marché, entre guillemets, fait mûrir un certain nombre de solutions, et celles-ci sont de plus en plus haut niveau, de plus en plus accessibles. C'est-à-dire qu'au début, t'es dans les early adopters, c'est compliqué de s'en servir, et petit à petit, il y a plein de gens qui font des trucs autour et qui rendent ces choses-là plus accessibles et plus faciles. Donc, et c'est ça pour toutes les technos et pour tous les outils. Donc oui, on va arriver à un moment à un truc comme ça, où on va rendre
des outils plus faciles à utiliser, comme par exemple des IDE dans le cloud, ce qui nous amène au lien suivant. Ça va manquer cette transition, Laurent, comme ne sera plus là. Ah, désolé, ouais, je m'excuse auprès de tous les auditeurs pour mes transitions pourries. Ça fait quand même une heure qu'on est en train de parler de trucs patek ou liés de loin. Mais recentrons un peu et Philippe, tu veux nous partager ta passion pour le développement dans le cloud avec Gitpod.io. Ouais, alors c'est plus ma passion pour Gitpod que le développement dans le cloud. Parce qu'en fait, le développement dans le cloud, c'était quelque chose que j'accrochais pas. Je suis plutôt de la génération où il faut que j'ai le plus de choses installées sur mon poste. C'est une espèce de collectionniste aiguë. Donc, il faut que j'ai un poste plutôt costaud pour pouvoir tout faire tourner. Même des clusters cubes, je veux qu'ils tournent sur mon poste, pas à l'extérieur. Ce qui m'amène à dépenser beaucoup trop d'argent pour un portable. Et puis, je suis un accro d'IntelliJ aussi. Pas que je sois un grand développeur Java, mais même sur la partie JavaScript, je trouve qu'ils se comportent très bien. Ouais. J'ai eu une époque, j'avais commencé par acheter la licence WebStorm. Puis après, quand j'étais un peu plus riche, je me suis payé la licence IDEA complète, on va dire. Et je suis fan et je suis encore fan. Est arrivé en parallèle Visual Studio Code, qui est un super IDE, fait quand même dans Electron à base de JS. Mais l'équipe Microsoft a quand même pu montrer qu'il était possible de faire quelque chose de performant et qui tue pas ta bécane, contrairement à Atom qui était pas, qui économisait pas les ressources, on va dire. Donc ils ont su optimiser et l'utilisation d'Electron et le JS. Donc je dis respect déjà à l'équipe VS Code. Le produit est top. C'est mon outil de tous les jours, quasiment, plus qu'IntelliJ. VS Code, pas Gitpod. VS Code, ouais. Pas Visual Studio Code. VS Code. Pas Visual Studio tout court, je veux dire. Oui. Parce que Visual Studio Code, je crois que ça... C'est pareil. Il y a Visual Studio, l'IDE qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, qui est très bien aussi, mais qui est différent et qui est payant. Et VS Code, qui est l'IDE en Electron. Je vais y arriver. Et qui a pris plein de features. Et puis, à savoir que normalement, si je dis pas de bêtises, VS Code, c'est une espèce d'instance ou un fork de Eclipse Theia, qui est un projet open source. En tout cas, ils ont un noyau commun. Ah ouais, tu vois, je savais pas. Ouais, il y a un noyau commun, mais après, il faudrait tout vérifier. Il y a comment il s'appelle ? Emmanuel Bernard a dû faire un truc là-dessus parce qu'il avait invité des gens de chez. Il y avait un gars de chez Ericsson. Qui est un contributeur du projet, je crois que c'est Ericsson, contributeur Eclipse Theia, et il y avait Sun qui est sur Eclipse Che s'appuie sur Eclipse Theia aussi. Et on vérifiera pour VS Code, mais il me semble qu'il y a un noyau. Tu parles de Gitpod ou de VS Code? Parce que Theia c'est mars 2017 et VS Code c'est 2015. D'accord, alors écoute, ce qui me tourne en d'erreur, c'est que Gitpod, à l'origine, te proposait une IHM à partir d'Eclipse Theia, qui ressemble énormément à VS Code. Eclipse Theia est basé sur VS Code. D'accord, tu vois, j'ai mélangé les trucs. Et maintenant, Gitpod te propose le choix entre l'IHM Eclipse Theia et l'IHM VS Code. Ok. Voilà, bon. Après, bon, désolé pour mon mélange, mais globalement, tu as, que ça soit Theia, que je trouve de très bonne qualité, avec des features différentes, ou VS Code, ça se ressemble beaucoup. Tu as avec Gitpod réellement un VS Code dans le cloud. Et ça devient intéressant parce que j'ai joué avec, j'ai les mêmes fonctionnalités que mon VS Code en local. Alors après, quand tu veux commencer à faire du upload de fichiers ou du download de fichiers, c'est un peu différent. Mais il y a toujours des solutions. Le gros avantage de ça, c'est que ton expérience utilisateur, elle est exactement la même. Il suffit d'avoir un navigateur. Par contre, tu n'es plus obligé d'avoir une grosse machine. Et en Gitpod, en fait, il te fournit à la fois l'IDE, mais aussi des workspaces dans lesquels tu peux installer, exécuter des programmes, des choses. Enfin, c'est comme si tu avais des VM ou des containers. Ouais. Et tu pars toujours d'un repository Git. Donc, tu pars de ou GitLab, GitHub ou Bitbucket. Tu peux avoir un projet Git dans lequel tu peux rajouter...
en, où tu pars sur la, l'image standard de Gitpod. En fait, il te montre un workspace avec une image Docker où il y a le monde entier dedans, mais elle est assez bien foutue. Où tu crées deux fichiers de configuration dans ton repository qui va te monter exactement les outils dont tu as besoin. Ça fait que pour quelqu'un qui arrive sur un projet pour partir open source, par exemple, au hasard, tiens, le super langage Golo, qui est par exemple, projet Eclipse. Par exemple. Voilà, donc j'ai pu contribuer à la mise en place de ces deux petits fichiers de configuration. Bah, quand tu veux essayer un projet ou contribuer, tu es débutant, tu n'as pas l'habitude, tu arrives, tu cliques sur Gitpod, ça te monte à la fois le repository, mais avec tous les outils. Tu n'as pas de setup compliqué à faire, tu as un truc qui marche dès le départ. Et ça, que ce soit de l'open source ou en entreprise, c'est super intéressant parce que déjà, tu es moins stressé au démarrage, tu as un truc qui est installé correctement, tu peux faire ça sur une machine légère et c'est top. Alors, avant de passer à ce que je voulais dire ensuite, Gitpod, tu peux l'installer, c'est open source, hein, tu peux l'installer chez toi, il va te falloir un cluster cube. Tu peux faire du TEIA dans du Docker si tu veux. Gitpod est un service payant sur le cloud, c'est une boîte qui est en Allemagne. Il y a une version free qui permet de, qui te donne pas mal d'heures par semaine ou par mois pour bosser dessus. Bon, moi, comme je suis un fou furieux, je suis passé au plan suivant très rapidement et au plan encore suivant très rapidement, mais parce que c'est vraiment mon outil de tous les jours. Je l'utilise quasiment toute la journée. Donc voilà. Donc c'est open source, c'est pas gratuit, il y a un service. Le service est bien rendu. Donc si ouais, je reformule, Gitpod c'est un SaaS. Par contre, ce qu'il y a en dessous, moi je peux le déployer moi-même si je veux, mais ce serait un peu relou et galère. Ouais, c'est ça. Ok. Alors après, il y a des histoires de versions on-premise ou qui sont payantes aussi. Ouais. Sur la partie que tu peux déployer toi-même, il y a une limitation au nombre d'utilisateurs ou de D'accord. machines, je crois. Mmh. Mais par contre, tu es obligé d'avoir un cluster. Mais si tu as ouais. envie d'avoir un truc similaire, tu peux très bien monter un Eclipse TEIA dans un Docker. Ouais. Ça se fait très facilement. Et installer ça sur un Raspberry, ça tournera très correctement. Là, l'avantage de Gitpod, c'est qu'il te propose toute l'infrastructure derrière. En fait, tu ne te poses pas de questions, c'est facile à utiliser. Ouais. Donc moi, ça me simplifie la vie. Je l'ai testé sur iPad. Alors, il vaut mieux avoir un iPad, un Pro, tu vois, 12 ouais. pouces 9, parce que sinon, ça te permet d'aller modifier des configurations sur un serveur. Mais voilà, faut pas aller plus loin. Mon conseil est d'utiliser Gitpod dans Safari et non pas dans Chrome. Il y a juste une histoire de la barre en bas par rapport au clavier qui déconne un peu quand tu es dans Chrome. Dans Safari, ça se comporte très bien et c'est utilisable. Honnêtement, c'est confortable. J'en ferai pas mon outil de tous les jours pour bosser. Tu as un clavier avec ton iPad ? Ouais, j'ai pris la... Le smart machin. En fait, j'ai pris les deux. Je me suis fait un peu... J'ai ouais, commencé ouais. par la keyboard classique. Et puis après, j'ai craqué sur la Magic avec le pad. Et là, tu as quelque chose de réellement utilisable. À part le fait que bon, bah, dans iOS, ce n'est pas multifenêtré. Donc, c'est pas aussi confort qu'un laptop. Mais ouais, bien sûr. Ça, si tu as juste du code à faire et que tu restes concentré... Écoute, c'est plutôt pas mal. L'outil est réellement bien fait. L'équipe Gitpod est charmante et sympathique. Ça, faut le savoir. Ils embauchent pas mal, je crois, en ce moment. Il doit y avoir un ou deux Français qui sont chez eux. Hello. Voilà. Mais j'adore l'outil. Enfin, avant, j'ai essayé plein d'IDE dans le cloud. Il y en a qui sont très bien, qui sont pour l'instant orientés que. Il te faut un compte GitHub, tu ne peux pas avoir un compte GitLab par exemple pour le faire, mais qui sont très orientés front. Oui. Et du coup, bon, ils ont une IHM qui est à base de VS Code ou en tout cas similaire. Donc l'expérience utilisateur est très bonne, mais c'est limité à un seul contexte, tu vois, du front, point barre. Alors que Gitpod, tu peux l'utiliser. Moi, j'ai même il m'arrive de monter des clusters cubes. Et de déployer des choses dessus à partir de la console de Gitpod et j'ai mes scripts dans un repo privé. Enfin, j'ai quasiment plus besoin
en fait d'ordi, de gros ordi. Des trucs et... Après, si j'ai besoin de faire du Java, je vais rester en local. D'accord. En fait, si je comprends bien, du coup, parce que l'intérêt du pod, c'est moins finalement le fait qu'il te fournisse un IDE, parce que ça, en vrai, tu pourrais faire, tu veux juste coder à la distance, tu pourrais juste avoir un, faire du X-forwarding sur un serveur distant ou tu as un VS Code distant, quoi. Tu fais du Citrix, quoi. Mais c'est que ça te fournit en même temps tout un espace de dev qui est bien adapté à ce que tu veux faire. Et puis, par exemple, ça va te monter. Pour toi, en l'occurrence, tes clusters tubes qui sont prêts à être déployés localement, parce que tout est bien fait pour que ça n'ait pas besoin de tout installer à la main. Tout est, le contexte est là, quoi. Ouais, mais sur la partie dev, j'ai pas besoin de cluster cube. Hein. C'est moi, le coût du cluster, c'était plus un exemple de ce que je fais plutôt que de m'installer. Oui, mais pour de. Je sais pas trop ce que tu fais, mais j'imagine que quand tu vas coder, tu veux tester ton code, tu vas tester des trucs, tu peux le tester via GitPod. Ouais, mais j'ai pas besoin forcément d'un cluster pour déployer. Par exemple, dans GitPod, en fait, t'es dans un environnement d'exécution avec un vrai OS qui est dans un container. Ouais. Tu fais, par exemple, tu fais du Node.js, tu peux très bien lancer ton Node avec ton code JS et ça va t'ouvrir ou une preview dans GitPod ou dans un autre onglet et tu peux tester ton site. Ouais. Tu veux tester ton appli web, donc c'est vraiment et il y a des protocoles qui sont pris en charge. Et moi, le gros avantage que j'y vois, alors il y a mon confort perso, mais tu vois, à l'époque où j'étais chef de projet, il y a très longtemps en société de service, où on te disait tiens, demain t'as 30 personnes qui arrivent et il faut que vous démarriez super rapidement, il faut installer tous les postes. Cauchemar. Et tu disais mais qui va l'installer? Il y a personne, il faut que ça soit toi. Donc t'installes les OS, t'installes l'IDE, tu les paramètres, t'installes le réseau, machin. C'est juste l'horreur. Donc, globalement, tu en as pour une semaine. Et en plus, il ne faut pas qu'on t'emmerde parce que tu es hyper vénère. Victor, pour te donner une idée, à une époque, tu avais des gens qui faisaient des VM de dev où il y avait la VM qui était clonée avec tout ce qu'il fallait. Et ils faisaient tourner la même VM, enfin le même OS, mais dans une VM déjà tout préconfiguré avec tout l'environnement de développement parce que c'était trop chiant autrement, quoi. Voilà, mais c'était un temps énorme. Sauf que là, tu mets un repo en place, il y a les petits fichiers de config avec tous les outils dont tu as besoin, c'est ni plus ni moins que du Docker, et il y a un fichier YAML qui dit les trucs que tu veux installer en amont si tu as besoin au chargement ou des choses comme ça. Et le gars arrive, tu lui fais bah bonjour, ton compte est là, le repo est là, clique. Merci, au revoir. Et il a démarré. Et c'est juste, sans compter que tu peux en plus faire des... Alors moi, je ne l'ai pas testé, mais tu peux faire des... Comment ça s'appelle? Des partages pour faire des revues à plusieurs. Ouais. Google Docs, quoi. Ouais. Et le truc, en fait, ils sont arrivés vraiment à fournir un service où tu as une réelle expérience utilisateur. J'ai vraiment l'impression. C'est vraiment ce qui me manque, moi, être capable de. C'est un peu comme sur un Google Doc partagé où on écrit à 12 mains, là. Moi, c'est vraiment ce qui me manque souvent. Enfin, moi, quand je donne des cours, là, quand j'ai des cours là, à distance, j'avais envie de faire ça, tu vois, de faire du live coding, mais un peu plus interactif que juste je partage mon écran et vous voyez ce que je fais, quoi. Ouais. Quelqu'un a essayé de faire un Twitch comme ça? Ouais, alors moi, je l'ai déjà fait avec mon alternant, avec celui de JetBrains, c'est Code With Me, où en fait, ça te lance une espèce de... Ça te lance pas ton WebStorm, mais avec une communication avec le WebStorm de l'autre, mais ça lance Code With Me, qui est... c'est un outil JetBrains qui ressemble à ton WebStorm ou ton IDE. Par contre, c'est capable d'importer certains de tes paramètres, c'est pas mal fait. Et puis après, celui de VS Code, je sais plus comment il s'appelle, pour partager, est pas mal. Ça scale pas. Pardon ? Ça scale pas, ça marche à deux, ça marche pas avec... Ah ouais, j'avoue, j'ai jamais utilisé à plus que deux. Nous, on a fait des sessions à 5 ou 6. Celui de VS Code ? En fait, il y a quelqu'un qui prend le lead et tu peux follow le lead. Ouais, non, sur celui d'IntelliJ. J'ai pas encore. Mais autre avantage de GitPod, hein, c'est que presque toutes les extensions de VS Code sont utilisables dans GitPod. Ça, c'est cool. Alors, il y en a, ça, c'était pas prévu pour, donc peut-être. Enfin, les autres n'étaient pas prévus. C'est pas que c'était une histoire d'être prévu pour ou pas, mais il y en a des fois qui marchent pas. Mais t'as l'extension là, c'est les language server protocol, donc qui te permettent d'avoir par exemple l'IntelliSense Java dans VS Code. Tu l'as aussi dans GitPod. Je suis pas arrivé à faire fonctionner la version Kotlin par exemple, donc je peux pas faire du Kotlin. Ouais. Enfin, t'auras la colorisation, mais ça ira pas plus loin.
mais tu as plein de trucs qui fonctionnent super bien. Et je pense que pour tout ce qui concerne du JS, TypeScript, enfin, tout cet écosystème-là, sachant que la plupart, beaucoup de développeurs utilisent quand même pas mal VS Code, je pense que là, avec Gitpod, c'est totalement mature. Ouais. Sur la partie Java, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais ça l'est de toute façon, même avec un VS Code local. IntelliJ a encore de bonnes parts de marché et un outil excellent. Mais vraiment, preneur, je vois pas mal de gens qui font des remarques autour de moi, disant qu'en fait, ils commencent à l'utiliser en entreprise justement pour leur projet. Donc de manière, ils payent le service. Professionnel. Pour onboarder en fait beaucoup plus rapidement. Ouais, onboarder sur un projet open source quand tu veux faire une PR, c'est génial, t'as pas besoin de tout setup. Après, est-ce qu'ils font du on-premise ou des trucs comme ça? Parce que j'imagine que les boîtes, elles veulent pas forcément. Ils font du on-prem aussi. Ils font du on-prem. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais que sa boîte l'avait pris, mais en on-prem. Mais ça te demande par contre plus d'énergie à maintenir. Parce que globalement, le modèle on-prem, hein, tu vas payer, je pense, la même chose que... alors après, j'ai pas regardé, mais souvent, c'est tu payes la même chose que le modèle SaaS. Sauf qu'en plus, toi, en tant que client, il va falloir que tu payes l'infra et la maintenance. Ouais, mais bon, les boîtes, c'est ce qu'elles veulent souvent. Ouais, ouais, après, quand c'est une question de pognon, tu peux être surpris. Hein. Moi, j'ai revu revenir des clients qui avaient dit « Nous, jamais à l'extérieur, surtout pas aux États-Unis. » Alors là, on est en train de reboucler sur les sujets précédents. Et puis, l'année suivante, ils disent « On met tout sur le cloud. » Ouais, mais c'est aux States. On s'en fout, c'est moins cher. Oui, et puis... L'Allemagne, c'est pas le pire endroit pour stocker des trucs non plus. Oui. Ouais. Bon, après, ils ont plusieurs zones. Je sais pas où ils sont exactement. Mais disons que moi, c'est vraiment mon outil de l'année. J'adore. Et du coup, je crois que tu avais une question, Hubert, par rapport au développement on-board. Ouais, en fait, alors déjà, je fais juste petite note pour les auditeurs, auditrices. J'ai rajouté le lien vers les Cascodeurs 241, qui est une interview sur tout ce qui est Cloud IDE avec Suntan et Marc Dumay. Désolé si j'écorche vos noms. Donc, écoutez-le. Moi, je l'ai pas écouté, celui-là, mais voilà, je l'ai linké. C'est super intéressant. Je pense que tu as... J'avais fait un switch quelques temps après avec Sun, justement, sur ce sujet-là, où Sun faisait une démo de Che pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Je voulais te faire digresser sur la programmation on-board de manière générale. Moi, j'avais cru comprendre que c'était le fait de pouvoir coder sur ton iPad, mais c'est pas vraiment ça ou c'est pas que ça? Ouais, alors après, c'est ma définition. La programmation on-board, c'est un truc que j'ai commencé... Philippe Charrière. Quand, avec des petits camarades que j'ai un peu perdu de vue maintenant, où à l'époque, bon, il y avait Internet, mais c'était plus avec des modems RTC. Et on faisait pas mal de programmes. On avait tous des... Alors, les plus riches avaient des Psions. Nous, on était surtout avec des Palm Pilot, des Palm 5. J'ai dû commencer avec un Palm 5, mais Palm 3C. Et on codait, mais directement sur le Palm. Alors, ou des fois, tu avais un clavier ou clavier virtuel ou même au stylet avec un mini éditeur de texte. Alors, je commençais à... Palm, c'est premier truc où tu devais faire des... Tu pouvais écrire genre manuscrit, mais ouais, du graffiti, en fait, jamais ta main. C'était un code spécial, ça s'appelait graffiti. Moi, j'arrivais même à prendre mes notes en réunion avec. Super pro. Mais par contre, la partie pad où tu écrivais, la mienne était complètement rayée. J'étais un fou furieux. Et après, tu as eu quelques claviers mécaniques. Et était sorti à l'époque, il existait un truc qui s'appelait Onboard C. C'était un éditeur de texte et un compilo C qui compilait directement sur le Palm, te faisait un binaire PRC qui était le format des applis et tu pouvais le lancer sur ton Palm. Sur un Palm. Ouais, ça compilait directement sur le Palm, qui pourtant n'avait pas beaucoup de mémoire. Hein. Et en parallèle, tu avais d'autres trucs, mais qui étaient plus des interpréteurs. Donc, il y a eu nombreuses versions de Basic. Donc, il y avait YaBasic, Yet Another Basic. Il y a eu un Lua sur Palm. Ça a été mes premiers pas en Lua. Il y a eu dû avoir du Python. Bon, il y a eu différentes choses. Et puis, il y avait des gens qui s'amusaient à inventer des pseudo-basiques avec leur propre langage. Et un jour,
Alors j'avais, je crois que j'avais monté un de mes, j'ai monté plein de sites, de pages web, on va dire, sur des sujets qui m'intéressaient, notamment celui-là. Et j'ai été amené à rencontrer un gars qui était prof de maths, qui s'appelait Philippe aussi, plus âgé que moi. Et il a été prof de maths. Après, il a bossé dans le chiffrement, dans le privé, et après, il est retourné faire des maths. Et quand il est parti du privé, ses potes lui ont offert un Palm Pilot. Et entre le moment où il devait reprendre son nouveau boulot, il avait ses vacances d'été, et s'est amusé à faire directement sur le Palm, avec le compilo onboard C, un compilo Pascal, qu'il a fini par faire que même le compilo se codait en Pascal. Et ce gars-là, c'est que les Palm couleurs sont arrivées. Il a même fait un éditeur de texte avec colorisation syntaxique. Allez. Du Pascal, toujours sur le Palm. Et j'ai passé des mois et des mois, parce que j'étais en SS2I, ils m'envoyaient n'importe où en France en mission, sans me filer de portable, avec mon Palm dans le métro, dans le train, à l'hôtel le soir, à coder des trucs. J'avais même commencé le compilateur de ressources. C'était un petit peu costaud, donc je ne l'ai pas terminé, j'ai juste fait une partie dessus. Et je vais m'arrêter sur la partie historique parce que donc globalement le programmation on board, c'est programmer de manière offline sur une ressource qui est pas forcément faite pour ça. Donc si par exemple si j'utilise Gitpod sur mon iPad, pour moi c'est pas la programmation on board. J'utilise une ressource extérieure sur le cloud. Okay. Si j'utilise, il y a une application qui s'appelle ISH. Qui est une espèce de, je sais pas comment le mec l'a codé, mais c'est une espèce de virtualisation d'une image Alpine dessus, et ça fonctionne en local et t'as pas besoin de connexion internet et tu peux faire tourner du Ruby, différentes choses sur iOS. Je suis arrivé à faire tourner du Java et du coup j'arrive à exécuter du Golo. Qu'est-ce que tu dis? C'est sur iOS ça? Ouais, c'est sur iOS. Ah ouais. ISH l'application, elle est excellente. Et puis tu peux partager le file system de l'application avec d'autres éditeurs, donc tu peux faire des trucs marrants. Tu peux même lancer du Node et puis après accéder via Safari à l'application que tu as faite. Et ben là, tant que je sors pas de mon concept, enfin, tant que je peux rester en mode offline sans être connecté à Internet, pour moi c'est une programmation on board. Okay. Ça n'a aucun intérêt professionnel, c'est plus s'amuser ou se former, tu vois. Je m'amuse. Les gars de trafic, j'arrive pas à faire tourner le compilo Go sur ISH. Par contre, les gars de trafic ont fait un interpréteur Go qui s'appelle Yaegi, je crois, et il tourne très bien dans ISH. Donc, pour me former, je suis dans un pré à la campagne sans 4G. Si je veux m'amuser à tester 2-3 trucs en Go, machin, je peux le faire. Donc, c'est, pour moi, le onboard, c'est ça. Mais c'est un pur amusement. Mais c'était beaucoup plus rigolo de le faire sur des petits pales. Bah oui. Vous êtes fou. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Je me demande d'ailleurs quels sont les usages. Genre, tu codes quoi sur un Palm? À part un calendrier et un agenda. Sur un Palm, mais alors déjà, il y avait des jeux. Il y avait des petits jeux d'action, d'aventure. Tu avais des terminaux. Moi, je connectais mon Palm via infrarouge à mon... Via infrarouge, oh là là. Bah ouais, mais via mon téléphone portable pour pouvoir accéder au serveur de la boîte et me mettre en SSH et lancer des scripts, si tu veux. C'est vrai qu'il y avait ça... Ouais. Mais tu codes quoi sur un Palm? Mais ouais, des jeux. Si tu pouvais avoir des jeux de la même qualité que ce que. Alors, il y en a eu très peu de la même qualité, mais tu pouvais arriver à faire ce que tu avais sur une Game Boy noir et blanc. Ou un Game Boy, je ne sais jamais comment on dit. Mais voilà, c'est un. Mais c'est pareil, comme. Moi, je suis fan de. Bon, ouais, je suis fan de Pi0. C'est devenu, ça doit être 100 fois plus puissant qu'un Palm, mais même là, tu dis, tu codes quoi sur un Pi0, quoi. Alors après, pour l'IoT, il y a plein de trucs. Mais alors, mais tu peux tricher avec un Pi0 sur la programmation onboard sur iPad. Parce qu'en fait, tu peux le mettre avec, alors une fois un câble USB-C, tu le branches sur la partie USB du Pi qui est là et pas la partie power, et tu le colles au cul de l'iPad,
Et du coup, tu peux accéder directement à ton PI, même si tu es en mode offline. Et lancer des trucs. Tu prends Blink, qui est un terminal SSH, par exemple, et tu fais ce que tu veux. Et tu as un vrai ordi au cul de ton iPad. C'est trop stylé. Complètement déconnecté d'Internet. Si... En fait, tu n'es pas obligé d'avoir Internet. Après, par contre, c'est ton iPad et ton PI ne partagent pas forcément les mêmes connexions Wi-Fi. Donc, il faut penser à tes paramétrages à l'avance. Mais c'est hyper pratique. Enfin, c'est hyper pratique. C'est hyper rigolo et tu peux faire plein de trucs. Ça n'a pas d'intérêt pro. C'est juste de l'amusement. Ça, c'est, ouais. Ça, c'est rigolo. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous noterez que l'effet fond vert de Philippe est appliqué sur son Pi 0 qui apparaît quasiment transparent. Ouais, est-ce que tu peux montrer ton Pi 0? Parce qu'en fait, c'est assez amusant. Le PCB disparaît complètement avec le fond vert. Exact. C'est très drôle. Non, j'ai un Pi qui est transparent parce que là, je suis vraiment chez mon caviste. C'est génial. Caviste qui avait été un peu surpris quand je lui ai dit « Je peux prendre votre magasin en photo ?» Ouais, mais pourquoi? Donc, voilà. La réunion pro. La data. Je vous propose de passer à la suite parce que ça fait un moment qu'on cause d'IDA dans le cloud. On avait prévu de parler de StackBits, mais on a déjà parlé la dernière fois, donc on va passer tout de suite au lien suivant. Ouais. Et donc, sans transition, je vais vous parler de Kafka. Je ne vais pas vous parler de Kafka, je vais juste vous mettre un lien vers une BD en ligne qui s'appelle Gently Down the Stream et qui est en fait une explication de ce que pourrait être Kafka, de ce qu'est Kafka, pardon. En BD un petit peu animé en slideshow avec des loutres. Et du coup, c'est trop mignon. Oui, c'est joliment fait. J'aimerais bien être capable de faire la même chose. Ouais, c'est hyper bien. Puis les loutres, c'est toujours bien. C'est très haut niveau. Très, très haut niveau. Donc, ça ne va pas vous expliquer en détail comment fonctionne Kafka. Par contre, ça va vous expliquer comment fonctionne une message queue. De manière très 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 haut niveau. C'est presque aussi beau qu'une presse d'Hubert Sabonnière. Oula, non, mais c'est mille fois plus beau, t'es malade. T'as vu les animations qu'il y a et tout. C'était une blague. Ah, merci. Puis ça te permet de dire à Hubert qu'il peut mettre encore la barre plus haute. Voilà, ouais. D'ici à exactement, ce que je décide. Exactement, donc allez sur gentlydownthe.stream. Ouais. Et vous verrez, on va pas vous en parler beaucoup plus parce que de toute façon on a la bourre, mais enfin vraiment c'est une BD, ça vaut le coup, c'est assez court, c'est hyper bien fait et c'est d'autant plus intéressant si vous ne connaissez pas Kafka, et même si vous connaissez, ça vous proposera une façon d'expliquer assez cool. Expliquer Kafka à tes enfants. Exactement. J'ai pas lu du coup ce que je découvre en même temps que enfin, je découvre là. Mais j'imagine que ça doit être très bien, même pour comprendre les messages queue en général, au-delà de Kafka. Oui. Voilà, ça parle de messages, de topics, de queue. Allez voir, c'est vraiment très très bien fait. Et ça prend 7-8 minutes de votre temps, mais ce sera du temps bien investi. Je vous propose donc de zapper tout de suite au lien suivant puisque nous rentrons dans la période web de ce podcast car comme vous l'avez remarqué, Hubert Sabonnière n'a pas encore parlé de web et donc c'est parti, c'est le moment et on commence par Introducing Custom Element Manifest qui est un blog de Pascal Slip. Yes, donc en fait comment résumer ça très rapidement. Quand vous faites des web components, comme n'importe quel modèle de composant, comme avec React, Vue, Angular, Svelte, ce que vous voulez, vous avez une API sur votre composant. Vous avez, par exemple, en React, vous avez des props. Sur Vue, vous avez des props, des propriétés, vous avez des événements, etc. Sur un web component, c'est pareil. Au niveau de l'API, vous allez avoir des attributs, des propriétés, des événements, des slots. Vous allez potentiellement supporter des configurations via des propriétés CSS, etc. Et donc, depuis 2 ans, nous, chez Clever, on utilise un outil qui s'appelle Web Component Analyzer. Il scanne tous nos composants et il en déduit via... alors, nous, on fait avec de la JSDoc, mais ça marche aussi avec du TypeScript. Il en déduit, en fait, l'interface, l'API de vos différents composants. Et au tout début, il était capable de générer un markdown pour faire un peu la doc. Et ensuite, il a été capable de générer un JSON qui est compréhensible par des outils comme Storybook.
Et donc, typiquement, sur la documentation dans Storybook d'un composant, vous allez pouvoir voir qu'il a une propriété error, qui est un booléen, donc true-false, vous avez sa valeur par défaut. Vous allez vraiment pouvoir documenter tout ça. Et ce qu'a initié, en fait, Pascal Schilp, je ne sais pas comment on dit, donc qui bosse chez ING, qui fait partie de la communauté Open Web Component. Il a initialisé, il a fait une initiative de standardisation sur un format JSON pour documenter des Web Components. Et donc ça s'appelle Custom Elements Manifest. Et en fait, ce que je trouve génial par rapport à ce qui avait été commencé par Rune, je crois il s'appelle, sur Web Component Analyzer, c'est que là il y a une vraie initiative de standardisation communautaire, d'essayer que toutes les technologies qui produisent du Web Component soient capables d'exposer ce manifeste JSON et que demain un ensemble d'outils puisse s'en saisir. J'ai participé lundi soir à un call autour de ce manifeste là. Il y avait des gens de Lit, donc chez Google, qui font des Web Components. Il y avait des gens de Stencil, qui est peut-être l'autre framework très, l'autre librairie très en vogue pour faire des Web Components. Il y avait des gens de Fast, de Microsoft, d'ING, de Red Hat, d'Adobe. Et donc, il y a un engouement de standardisation là-dessus que je trouve juste génial. Et il y a des débuts de discussion avec des IDE, parce que ça vous permettra d'avoir de l'autocomplétion dans VS Code, dans WebStorm, etc., si tant est que ce format prend un peu de momentum. Et ça a déjà été, les travaux ont déjà été commencés pour que Storybook soit capable de lire ce format. On a aussi quelqu'un en ce moment qui travaille sur un DevTools, Chrome, Firefox et autres, pour utiliser ce format et vous aider à manipuler vos composants. Voilà, moi je trouve ça génial de me dire, en fait, il faut maintenant que ça gagne un peu en popularité, en usage, un standard de communauté pour documenter des composants, ce qui va te permettre pas mal de choses autour de ça et que ce soit vraiment cross librairie qui produisent du composant. Je trouve ça super cool. Voilà, donc un super projet. Regardez un peu comment ça marche et j'ai hâte que ça arrive dans plein d'outils. Voilà, ça c'était le premier. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que ça sera quelque chose à utiliser de manière obligatoire? Par exemple, si tu fais du web component, mais sans framework, est-ce que tu seras, pour pouvoir faire tourner ton code, on va dire, est-ce que tu en auras besoin? Ou quel est l'usage final, en fait? En fait, l'idée, alors pour répondre à ta question, non, pas du tout. C'est vraiment, tu as fait ton web component, n'importe qui peut s'en servir, tu l'as fait avec ou sans framework, pas de problème. Ce que tu vas faire avec ce format, c'est produire un JSON que va pouvoir utiliser NPM pour te mettre en avant que dans ce projet, il y a un web component et il fonctionne comme ça, il a tel type d'entrée et de sortie, quel que soit le framework qui a été utilisé en dessous, ou pas, d'ailleurs, s'il écrit avec les API bas niveau. Ça va pouvoir être utilisé par ton IDE. Je sais pas, moi, tu es en train d'utiliser un web component, il a été écrit en Vanilla, en Lit, en Stencil, tu t'en fous. S'il expose un Custom Element Manifest, on peut imaginer que VS Code soit capable de t'auto-compléter les attributs, de dire, attends, mais t'as écrit error égale foobar. Non, error, là, dans la doc, c'est forcément un booléen, donc c'est true ou false. Tu vois un peu l'idée ou pas? Ouais, mais ça... Parce que dans les IDE, t'as déjà quand même cette possibilité, alors qui n'est pas spécifique au web component, mais qui arrive à détecter, alors sur toute la partie JS, la partie attribut, sur la partie front, alors je ne sais plus effectivement, puis alors, après, de toute façon, si tu l'as collé dans une string, t'es U. WebStorm et je vais plus parler de WebStorm et VS Code, c'est pareil, ont une connaissance de tous les éléments HTML standard. Donc ils savent quand tu tapes
input type égal, il va te proposer texte, date, password, etc. Parce qu'il connaît toutes les valeurs de l'attribut type d'un input. Là, l'idée, c'est de fournir à un ensemble d'outils, et notamment tes IDE, mais aussi de la documentation dans Storybook, une spécification de comment fonctionne ton composant. Et bien sûr qu'on a ça sur React et Vue via différents projets. Alors sur Vue, je crois que c'est un truc qui s'appelle Viter, qui est capable d'exposer pour VS Code, etc., quelle est l'API de tel composant. Là, pour moi, l'énorme différence, c'est que tu as plusieurs communautés d'outils pour faire des web components qui se mettent d'accord et qui se réunissent autour du même standard. Ah, okay. Et ça, c'est juste... Enfin, je trouve ça génial. Ouais, ça y est, ça prend plus de sens. Ok. Non, mais merci. C'est cool que tu poses la question. Du coup, ça permet peut-être de mieux comprendre ce que j'expliquais assez rapidement. Et puis, moi, je suis tellement dans le truc que je l'explique et du coup, un peu trop vite. Qui fait ça? J'ai pas compris. Alors, c'est un standard communautaire, on va dire, au sens où c'est proposé à la base par des gens qui ont créé OpenWC, qui est un projet de mettre en avant des guides, des outils autour des web components, et dont Pascal Skip fait partie. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont énormément d'engouement et de support de la part de gens de chez Google, de chez Microsoft, Stencil. C'est pas une fondation, c'est pas un... Non, c'est un groupement de gens. Pour l'instant, il n'y a pas une fondation, une asso, ce que tu veux. C'est plus informel. Il n'y a pas de gouvernance globale. C'est un écosystème open source sain. Voilà. Oui, mais c'est parfois dans les open source, tu as quand même une gouvernance de projet. Ouais, après, et là, je saurais moins répondre, donc il faudra vérifier. Mais je crois qu'il y a quand même des débuts d'officialiser un peu plus. Alors là, il y a le thème des Custom Elements Manifest, mais il y a d'autres sujets qui sont discutés. Et je crois qu'il y a, on se dirige vers officialiser un peu plus ça, vers un community group au sens W3C. Mais bon, c'est pas que c'est pas important, hein, mais. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on a un standard de documentation qui va permettre à plein d'outils dans l'écosystème de fonctionner et qui est cross, quelle que soit la manière dont tu as écrit ton web component, quoi. Ça, je trouve ça génial. Et okay, en plus, je ne l'ai pas évoqué, mais Pascal a créé un nouvel outil qui est un peu le remplaçant de Web Component Analyzer qui va scanner tes composants et produire ce format-là. Après, tu pourrais aussi l'écrire à la main. Hein. C'est un JSON. Hein. Donc, du coup, à terme... C'est un peu comme un open API, en fait, tu vois, un Swagger. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, à terme, tu pourras décrire tes composants dans leur doc et puis tu auras une sorte de template généré. Tu n'auras plus qu'à boucher les trous. Mort. Ok, trop bien. Tant qu'on en est à faire comparer avec OpenAPI, c'est la grosse tannée de se maintenir la documentation à la main. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des automatisations pour écrire cette documentation, quoi. Bah ouais, et en fait, je te dis, nous, actuellement, sur nos composants, on utilise Web Component Analyzer. Il scanne tout, il génère un JSON qui n'est pas dans ce nouveau format, qui est un JSON qui avait été inventé. Là, Pascal, en plus du format qui est un peu enfin officialisé, qui a été en travaux depuis des mois, a un analyseur que tu lances, qui est capable de lire des composants écrits avec Stencil, écrits avec... Lit, et en fait il a tout un modèle de plugin, il comprend du JS avec de la JS doc, il comprend du TypeScript, et ça va, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Il y a déjà une autre librairie de composants qui s'est adaptée, donc non, tu vas rarement l'écrire à la main, on va être d'accord, hein, je pense que ça n'arrivera pas. Et du coup, est-ce que React va s'adapter? Bah, on peut faire une transition sur le lien suivant, en fait, parce que ta question... C'est bien, j'ai même pu aller faire. Ouais, j'allais dire, ta question, elle sous-tend, est-ce que React est capable d'accepter des web components? Et en fait, ça fait des années que ce n'est pas le cas. Et donc là, on transitionne vers un article de Benny Powers, qui est aussi dans la communauté Open Web Component et qui a participé un peu à tous ces trucs-là, et qui fait un article sur Dev2. Vous prenez ça comment, ça, Dev2, Dev? Enfin bref, il a fait un blog post. Dev.to. Ouais, voilà.
pour un peu taper du poing sur la table. Ça fait des années qu'il y a une issue ouverte sur le GitHub de React pour dire, attendez les gars, vous êtes le framework le plus puissant des React, Angular, Vue, Svelte, machin, et pourtant vous êtes le seul qui est incapable de fonctionner avec des web components, on va le rappeler qu'ils sont un standard HTML du web, sans avoir une palanquée de boilerplate et d'adapteurs et de machin. Pourquoi, en fait? Et donc là, il y a React 18 qui arrive bientôt, et l'article de Benny, c'est « What's not in, new in React 18 ?» Et en fait, il dit bravo à React de sortir des nouvelles features, mais dans React 18, il n'y a toujours pas un support d'un standard HTML. En l'occurrence, les Web Components. Et on peut parler spécifiquement de ça. Après, on a déjà parlé de Web Components avant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même le fait que tu as un outil qui est un peu dominant au sens framework web JavaScript, hein, parce que si tu regardes à l'usage de WordPress, React, c'est rikiki. Mais si tu rentres vraiment dans le monde des gens qui font des single page applications, React, ça reste un peu celui qui domine le plus. Et donc, tu vas l'utiliser aujourd'hui parce que c'est un bon outil, mais aussi parce que tout le monde l'utilise. On en revient à la discussion sur les réseaux. Tu utilises encore Facebook parce que tout le monde utilise Facebook. Tiens, c'est marrant, React, c'est fait par Facebook. Mais du coup, là, tu en es un outil qui t'empêche d'utiliser facilement un standard du web, un standard W3C, tout ce que tu veux. Et ça, je trouve que ça pose pas mal de questions parce que à la base, c'était pas forcément volontaire. React a créé un système AE d'événements qui n'est pas celui du DOM. Ça a des avantages pour faire du React en dehors du navigateur, pour faire du React Native et d'autres trucs comme ça. Par contre, ça empêche de manière simple d'intégrer des web components. Donc tout le monde fait des adapteurs dans tous les sens. Et quand un outil t'empêche d'adopter un truc nouveau qui est plutôt cool, je trouve ça dommage. Et je trouve ça vraiment questionnant. Et quand tu lis, y a eu plusieurs personnes qui ont essayé de contribuer des PR à React pour supporter ça. On va quand même signaler que Preact, qui est un outil compatible avec la plupart des API de React, n'a pas ce problème. Donc il y a un moment... À une époque, tu pourrais dire, ouais, ça devait être compliqué à implémenter de leur côté. Là, tu as envie de dire, c'est délibérément pas priorisé, quoi. Et on pourrait dire, oui, mais peut-être que la plupart des devs React n'ont pas envie d'intégrer des web components, et donc, c'est pas très grave. Sauf que, en fait, ça a un impact même sur les gens qui n'utilisent pas React. Et là, encore une fois, c'est que mon opinion, mais... T'as des gens qui vont dire « Ah oui, mais les web components, c'est pas bien parce que ça marche pas dans React. » Et du coup, qui vont avoir ce genre de discours. Et donc, en fait, toi, en tant que personne qui essaie de dire « Je vais faire un design system en React, en web component, comme ça, il marchera partout. » Tu vas avoir des gens « Oui, mais moi, chez moi, ça marche pas, donc votre truc, c'est pas bien. » Ouais, mais chez toi, ça marche pas, c'est... pas de notre faute. Et nous, on est quand même en train de parler de standards du web qui fonctionnent dans tous les navigateurs modernes. Si ça ne marche pas chez toi, c'est ton problème et c'est le problème de Facebook. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai hâte qu'ils résolvent ce problème un jour et je suis pas certain que ça arrive dans React 19. Voilà. Ça ouvre une discussion intéressante sur ce que c'est qu'un standard. Est-ce que tu parles du standard au sens W3C ou est-ce que tu parles de standard de fait ou de facto c'est la solution par défaut que oui. 90% des gens utilisent? Oui, et c'est là tu as clairement un standard de facto du marché qui impose un standard, on va dire, plutôt légitime, le W3C, d'émerger et de prendre de plus en plus d'ampleur, quoi. Parce qu'à un moment, si tu as un web component qui, je sais pas moi, te permet de cliquer sur 5 étoiles pour voter sur un truc, il a été codé et il est exposé en web component, tu t'en fous. Y a un moment, ça devrait marcher dans React. Il n'y a pas besoin qu'il ait été codé avec React. Et là, on est en train de rentrer dans le « je vais devoir l'adapter pour React, voire me forcer à le coder pour React ». Enfin, bref, ça me saoule.
Je crois que vous avez compris. Faut pas utiliser React. C'est de garantir ta position de monopole. Bah, de c'est continuer ça, ouais. à travailler ta position de monopole. Ouais. Moi, j'aime utiliser plein de trucs. Alors après, j'aime bien partir plutôt sur des trucs un peu en partant de rien pour mieux comprendre, on va dire. Puis après, il y a des outils qui sont plus je trouve plus agréables à utiliser. Alors, il y en a qui ne percent pas. Hein. Moi, j'aimais énormément Riot.js. Alors, ça existe encore, mais ouais. je trouvais que ça avait pile la tête qu'il me fallait pour bosser de manière confortable, sans être obligé de... Ça me semblait intuitif, pas obligé d'aller faire des copier-coller, chercher quelque chose sur Stack Overflow ou je ne sais quoi. J'aime bien Vue.js, même si je trouve que ça s'est un peu complexifié. J'aimais bien les débuts de Vue.js, ça m'allait bien. Puis là, maintenant, il y a un peu trop de choses, mais par contre, des gens brillants et qui sortent des outils fabuleux autour. Donc, je trouve que ça, c'est bien aussi. React, j'ai jamais été à l'aise en l'utilisant. Enfin, j'avais un espèce de sentiment, j'aime pas, ça me plaît pas. Tu vois, c'est alors peut-être ce qu'il faudrait que j'utilise plus, parce que je disais pareil pour du Go, et finalement, plus ça va, plus je me dis, oh, finalement, c'est bien. Moi, j'utilisais Mithril.js et Mithril.js, oui, je crois que c'était un peu tout seul, mais apparemment, il y a encore des commits. Ouais, ça bouge encore. Mais ouais, React, je suis pas fan. Au début, j'avais dit, oh, c'est nouveau, machin, et puis après, oh, et puis, mais... ça me gêne. Mithril.js et je t'en veux encore pour ça, Laurent. Oui, c'est peut-être pas le meilleur choix. En fait, t'as abandonné le front. En fait, Victor a abandonné le front le jour où je lui ai fait faire du Mithril. Mais il a abandonné JavaScript par la même occasion. Ton choix de mot, Laurent, Philippe, est hyper intéressant. Tu dis, je n'aime pas, je suis pas à l'aise. Et en fait, il est là le truc. C'est impossible d'avoir un modèle d'autoring de composants UI pour du web qui plaise à tout le monde. Et donc, cette diversité de « moi, je veux un langage de templating. Moi, je veux du JSX proche du JavaScript. Moi, je veux un truc plus à la Svelte. » Mais bien sûr, il y a plein de préférences. Et donc, cette diversité, elle est cool. Et moi, ce que j'aime dans les web components, c'est que tu peux les écrire avec Lit ou avec Stencil, qui ont des approches assez différentes en termes de l'écrire. Mais de l'extérieur, ça peut s'utiliser partout. Ça marche très bien dans du Vue, ça marche très bien dans du Svelte, etc. Du Angular aussi. Et aucune communauté n'impose à l'autre quelque chose. Tout le monde est à peu près cross-compatible. Sauf React. Et je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, je dis pas que c'est pas bien. Moi, comme toi, j'aime pas trop. Ce qui m'emmerde, désolé, mais c'est que cet outil limite les usages des autres. Et ça, c'est... Mmh. C'est une communauté dommage. Peu inclusive. Et vous pensez que c'est lié au... qu'il y a vraiment une volonté de garder le monopole, là, comme tu suggérais, Laurent? C'est pas vous qui avait eu une petite storm il y a quelques années à propos de licences qui changeaient sur React. Si, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Mais non, je pense que c'est très compliqué à changer maintenant dans leur code base, et je pense qu'aussi ils n'ont pas envie de le prioriser. Ok. Ça changera peut-être. Ça changera peut-être. Je vous propose de passer au lien suivant, qui est toujours sur React et qui est toujours un lien sur lequel Hubert va rager un peu. Non, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, c'est un article de Thomas Belin, et Thomas Belin, on lui fait des bisous, on l'aime bien, qui s'appelle Pourquoi, enfin c'est en anglais, mais pourquoi les hooks React ne peuvent pas être conditionnés. Alors en français, ça se traduit peut-être moins bien, mais en gros, pourquoi vous pouvez pas mettre des hooks React, genre useState, useEffect, dans des ifs. Et c'est... alors là, je vais recritiquer React, mais c'est un... Disons que les hooks apportent une manière d'écrire ces composants qui sont vraiment cool et très agréables, avec cette subtilité qui, dans lequel... ce piège, en fait, dans lequel beaucoup de débutants tombent. Et ce que j'aime bien, c'est que Thomas, il essaye d'expliquer avec ce qu'il dit avoir compris de l'intérieur du code de React. Il simplifie les choses pour qu'on comprenne. Si vous utilisez des hooks, il faut forcément qu'ils soient tout le temps exécutés et dans le même ordre, et donc qu'il n'y en ait pas une partie qui soit dans des ifs.
Et c'est, ouais, c'est super bien expliqué. Donc, si vous faites du React et que vous êtes déjà pris les doigts dans l'engrenage avec ça, eh ben, lisez son super article. C'est vraiment cool. Les petites questions, du coup, les hooks, c'est quelque chose de spécifique à React ou on le retrouve dans d'autres frameworks? En fait, c'est... faudrait que je link un autre article. Le concept commence à arriver ailleurs sous des formes différentes et pour des raisons différentes. Ouais. React, il y a un besoin de sortir du modèle de composants par classe qui est moins pertinent dans d'autres endroits. Dans Vue, la Composition API a des points similaires et pour autant, ce n'est pas des hooks React. Dans les Web Components, tu as des projets un peu dans le même genre. Mais faut pas faire trop d'amalgame, mais il y a des initiatives similaires dans d'autres projets. Mais dans l'API standard là, des Custom Elements, il n'y a rien de ce genre-là. Si tu veux, faut que tu te codes un truc toi-même. Quoi. Qui peut être un exercice, un side project carrément. Intéressant. Et en tout cas, au niveau Web Component, regardez Haunted, je vais mettre le lien, et ce qu'est en train de faire Lit avec les Reactive Controllers, je crois. Ok. Ok. Merci Hubert. On va enchaîner. Il nous reste deux petits outils, parce que ça fait quand même 1h50 qu'on y est. Deux petits outils de DevCool. Le premier, c'est pour renommer des onglets. Ouais, alors très rapidement, quand vous avez 4 onglets Slack ouverts dans Firefox ou ailleurs, le titre des pages de Slack commence par Slack, puis ensuite le nom du Slack, puis ensuite le nom du channel, un truc dans ce genre-là, ou l'inverse. Ce qui fait que si vous avez 4 onglets qui sont un peu ratatinés, il y a écrit Slack, 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 et pour savoir lequel est celui de Tever, lequel est celui de machin, c'est un peu cool. Et du coup, moi je me suis installé ce petit add-on qui marche sur Chrome et Firefox qui s'appelle Retitle. Vous pouvez lui mettre une regex. J'ai un peu galéré à faire la bonne regex parce qu'à tester c'est pas facile. Mais ça renomme le title d'une page web à la volée. Et donc, moi j'ai fait une regex pour que le nom du Slack apparaisse en premier. Comme ça, quand j'ai plein d'onglets Slack ouverts, je sais lequel est lequel. Donc ça c'est plutôt cool. On m'a dit que Safari faisait un peu un truc dans ce genre là et quand il y avait des parties de title en commun qui mettaient en valeur, mais j'ai pas vérifié. Et l'autre add-on, là ce coup-ci uniquement Firefox que je veux mettre en avant, c'est Firefox Color. C'est un add-on qui vous permet de customiser votre thème Firefox en direct sans aller voir la doc de comment on crée un thème Firefox, etc. Et moi, j'avais des problèmes de contraste avec mon thème clair sur mon laptop. Et du coup, j'ai customisé le truc. J'y étais méga bourrin sur les contrastes. Mais voilà, c'est vraiment... vous choisissez... Alors, je vais changer la couleur de ça, de ci. Et vous avez en direct à quoi ça ressemble. Qui est lié à la... C'est lié à la nouvelle release de Firefox, c'est ça? Oui. En fait, j'ai rien contre les nouveaux onglets qui ressemblent plus vraiment à des onglets, mais presque un peu plus à des boutons. Ça me dérange pas. Mais avec le thème clair de mon, qui est un peu lié à mon IDE, mon OS peut-être, je ne sais pas, l'onglet courant était très peu mis en valeur ou pas assez à mes yeux, quoi. Manque d'affordance ou de contraste, je ne sais pas trop. Ça mais te en dérange tout cas, pas, mais ça te dérange un peu quand même. Là, moi, je l'ai mis en bleu, alors que tout le reste est gris. Je vois très bien quel est l'onglet actuel et c'est mieux pour moi. Donc, un super, okay. Super cool. Firefox. Cool. Moi, rapidement, sur l'histoire de titre et de Slack, moi, les quatre, ils sont attachés, ils sont toujours au même endroit, ils sont dans l'ordre, sinon je n'y arrive plus. Ouais. Si tu changes l'ordre... Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai un bureau par Slack. Mais... Ouais aussi. Mais moi j'en ai. Mais Slack, tu l'as dans tes onglets, Philippe, ou tu l'as En fait, quand j'utilise pas l'appli Slack, j'utilise juste la version dans le navigateur. Ouais. Et disons que j'ai un Slack GitLab qui est sur un bureau, j'ai un Slack OSSGTP qui est sur un autre bureau, et j'ai un autre Slack qui est encore sur un autre bureau. C'est mon
ma compartimentation mentale, en fait. Et ça me permet de ne pas mélanger les genres à un instant T, en fait. Je suis en train de switcher sur une organisation comme ça. Et là, pour l'instant, j'ai toujours mes 7800 onglets ouverts. Et du coup, c'est pour ça que du coup, j'utilise, mais qui sont très mélangés. Hein. C'est-à-dire que j'ai des trucs pro, perso et tout dans 36 fenêtres aussi. Mais du coup, c'est pour ça que j'utilise, moi, l'appli Slack pour avoir des onglets qui ne sont pas dans Firefox. Ouais, moi, je refuse d'avoir 4000 Chrome qui tournent en plus sur ma RAM. Pareil. Mais bref, je vous propose de passer au dernier lien qui n'est pas un lien tech, mais qui sera le dernier lien de notre podcast, qui n'est pas le lien musical non plus, ça viendra après, donc on va dire l'avant-dernier lien. Et c'est un lien de Philippe Charrière et c'est gueuledejoie.com. Alors, pour l'instant, j'y suis pas allé souvent parce que j'ai fait qu'une commande, mais la commande est bien arrivée et c'était sympa. Gueule de Joie, c'est un revendeur de bière et de spiritueux sans alcool. Et de vin aussi, je pense, je m'en rappelle plus. Oui, il y a du vin. Et donc, son avantage, c'est qu'alors, il revend on va dire, des liquides français, mais aussi venant d'autres pays et notamment anglais. Alors, pourquoi je suis venu au spiritueux sans alcool, c'est la faute à Laurent, qui, peut-être pas une des dernières fois qu'on s'est vu en vrai, mais pas loin, avant d'aller dans un resto mexicain, m'a dit « Tu voudrais pas goûter, là, ils ont du gin sans alcool. » J'ai fait « Non, merci, ça va, ça m'intéresse pas. » Et on est allé au restaurant mexicain où on a pris plusieurs bouteilles de vin avec alcool. Pourquoi tu fais chute, Laurent ? Ah non, c'était juste... Et puis voilà. Et puis, quelques temps après a démarré la pandémie, confinement, et je ne sais pas pourquoi j'en suis venu à repenser à ce que Laurent m'avait dit. Alors peut-être parce que je m'apercevais qu'en fait, on prenait beaucoup plus d'apéros que d'habitude pendant le confinement. Et en même temps, en parallèle, du coup, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur une Française qui fait un gin sans alcool qui s'appelle Juniper, alors J-N-P-R, et j'en ai commandé et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, avec un bon tonique, frais, tout ça, et il y a zéro alcool, zéro sucre, à part quand t'as mis le tonique, bien sûr. Oui. Mais déjà, c'est un plus, et honnêtement, l'expérience utilisateur au goût par rapport à un bon gin est plutôt similaire, je trouve. Alors, les puristes me tueraient, mais je m'en fous. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt appréciable. J'ai pris goût. Prendre un gin tonic à 3h de l'après-midi en réunion, c'est le kiff. Après, j'ai essayé à la sortie un BTTR, qui est un bitter. Pareil, alors, sans sucre. Pourtant, t'as l'impression que c'est sucré, à base d'orange amère. Honnêtement, très bien aussi. Très surprenant. J'ai testé le vin blanc sans alcool. Moins fun, voilà, mais bah, encore que les pétillants passent, ou pour mélanger avec le BTTR pour faire un spritz, c'est parfait. C'est que du sans alcool ou t'as du low alcool aussi ? Là, c'était que du sans alcool, le truc en low alcool que j'ai essayé, sinon c'est les bières, je suis toujours à du 0,5. Ouais. Le low alcool, en fait, c'est que t'as quand même une fermentation, mais comme il n'y a pas beaucoup de sucre au début, à la fin, t'as pas beaucoup alors peut-être d'alcool. Que le vin, il faudrait que je vérifie, je me souviens plus, mais j'en ai plus racheté en fait. Et sur le site, ils disent que tu as des bouteilles à 0,3 degrés. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle du low alcool. Mais... C'est ça qu'on appelle du low alcool. Donc en fait, la différence entre les deux, c'est que tu en as un qui a une fermentation. Et la fermentation, ça apporte de la complexité en termes de goût, ça apporte plein de trucs. Et en fait, la différence, c'est ça. C'est, moi, le zéro alcool, je ne trouve pas certains trucs que je. Indépendamment de l'alcool. Donc, les complexités de goût liées à la fermentation que tu trouves dans le low alcool. Donc, moi, j'ai tendance à préférer le low alcool pour ça, parce que c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus rigolo et je m'y retrouve plus. C'est une sorte de distillation, hein, mais non alcoolisée, le JNPR. C'est un hydrolat. Un hydrolat, voilà. Mais où la personne a essayé d'autres ingrédients que la baie de genièvre. Alors, il y en a normalement dedans, parce qu'elle a ses propres genévriers. Pour arriver à te donner une impression de, tu sais, le petit coup de shot que tu as à cause de l'alcool ou autre. Donc, expérience plutôt réussie. Et j'avais vu qu'il y avait les Anglais ont fait ça en premier, enfin, sur des choses qui ressemblent au gin.
Mais par contre, si tu voulais en commander, ça te coûtait une blinde à cause des taxes. Et là, Gueule de Joie est revendeur de cette marque anglaise. J'ai plus le nom en tête, mais les étiquettes. Ça doit être Seedlip. Voilà, Seedlip. C'est à eux que je voulais te faire goûter et Victor a goûté aussi. Ouais. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Par contre, c'est un hydrolat et ça coûte 50 balles. Et 50 balles pour un hydrolat. 29. Ou 39, hein, tu vois, un hydrolat. Les hydrolats, par exemple, c'est beaucoup utilisé en cosmétique. Non, mais je comprends que les tarifs sont beaucoup moins chers. Il faut les produire, mais là, c'est 29, hein, pas 50. Mmh. Et on avait organisé, enfin, j'avais participé à un truc que tu avais organisé, qui était le rendez-vous des speakers, où on avait fait une session là-dessus et où Maxence avait parlé de ce que faisait Martini, je crois, et c'était beaucoup plus accessible en termes de prix. Alors, je sais pas si c'était aussi propre, aussi bien fait, là, etc. C'était vraiment pas cher, hein. C'est moins de 30 balles pour tous les alcools, enfin, pour tous les spiritueux sans alcool. Mmh. Ça va. Ça va. Ouais, ça a baissé. Puis, enfin, après, alors je te dis pas que si on propose un très bon gin tonic, tu le refuserais. Mais disons que t'as moyen de faire vraiment des. Alors, je trouvais le fait de pouvoir les commander. En plus, ils ont des bières qui sont super sympas. Mais le fait de pouvoir faire des apéros sans alcool, mais en ayant quand même une très bonne expérience. Donc, c'est pas, tu vas pas prendre un Fanta ou un quelconque soda. Parce que tu bois pas d'alcool, pour quelqu'un en plus qui en buvait ou qui en boit, tu te fais quand même vraiment plaisir. Il y a un côté gustatif qui est très intéressant. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, leur service est bien. Je m'attends d'un moment à l'autre que tu nous partages ton code d'affiliation. T'as monté positif sur le sujet. Le lien est dans la description. Je peux vous parrainer. Je sais pas où il est, mais avec plaisir. Et Seedlip, agréablement surpris aussi. Il faudra que j'essaye leurs autres produits parce que. Et sur Gueule de Joie, pareil, tu peux commander leurs sodas aussi. Ouais. Qui sont un peu chers, mais de très bonne qualité. Bio, si je dis pas de bêtises, normalement. Mais l'avantage, c'est que tu peux trouver du tonique au concombre et t'en trouves pas partout. Et ça, c'est bon. Ouais, je suis assez fan aussi. Ouais. Et moi, la question que je me pose, enfin, que je trouve vraiment cool avec ça, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont pas dans des meet-up le soir parce qu'il y a de l'alcool et qu'on n'a pas envie de se trouver avec des personnes en présence de personnes qui n'ont plus de l'alcool. Et je sais pas dans quelle mesure on pourrait pas systématiser ces choses-là dans les meet-up le soir. Pourquoi pas, hein, même avec les bières sans alcool sont aussi bonnes que les bières avec alcool. Hein. Bah ouais, clairement, ouais. Voire meilleures la plupart du temps. Mais ouais, les dernières que j'ai goûtées étaient plutôt surprenantes. Donc, moi ça me choquerait pas en tout cas. Tu sais, Hubert, toi ça te dérange pas, je sais que tu bois pas, mais t'as pas de problème à être en présence de gens qui boivent. Moi je bois pas d'alcool, je suis dans la région du Ch'ti Jug dont le logo a une bière, on va le rappeler. Pendant les études, je pense qu'on a tous eu les « allez, il faut boire », le truc très mascu, machin. En meet-up, j'ai rarement eu le problème de qu'on m'impose quoi que ce soit ou que l'alcool influence le comportement des gens au point que ce soit gênant. Ouais. Après, voilà, j'ai pas le même personnalité, caractère que tout le monde et je pense que on en avait déjà discuté avec Laurent qu'il y a un sujet. Autour des événements, dans les meet-up, les conférences autour de l'alcool, et qu'il faut, faut trouver des moyens que ce soit moins martelé pour inclure tout le monde. Après, il y a des priorités sur la diversité et la présence des femmes dans notre milieu, peut-être avant ça, mais on ne va pas non plus essayer de... Il y a des gens qui relient la partie diversité à la partie alcool. Hein. Moi, je me suis pris... un shoot, alors je me suis battu et j'ai gagné, mais parce que on faisait avec le GDG Lyon des épisodes qu'on appelait l'apéro IoT. Mm-hmm. On s'est pris des réflexions d'un GDG, de personnes d'un autre GDG. Or, c'est un GDG qui a défrayé la chronique sur d'autres sujets, donc c'est à peine surprenant. En fin de journée, ils ont compris qu'ils n'auraient pas dû faire la réflexion. Parce qu'ils ont quand même levé
les trois personnes du GDG Lyon, fallait juste pas les emmerder. Mmh. Et il y a une espèce d'amalgame par rapport à ça qui est assez curieux, et parce que ne serait-ce que c'est des trucs virtuels en plus, hein, tu vois. Mais j'ai pas compris, ils ont dit quoi? Et ben, le fait qu'il y ait marqué apéro dans le titre les gênait. Ah oui, ben, tu peux prendre l'apéro Perrier. Ben, oui, oui, mais il disait que l'apéro, ça implique nécessairement de l'alcool. Donc, il y a eu une longue discussion. Alors, ceux qui ne me connaissaient pas, ne savaient pas que moi, une fois que tu m'as démarré, je ne m'arrête pas. Voilà. En discussion, mais, pas en alcool. Oui, maintenant, je m'arrête quand même. C'est, Il est à noter qu'il y a plein de vannes habituelles à base de un apéritif sans alcool, oui, mais ça s'appelle une réunion. Ouais, voilà. Mais bon, mais je pense qu'il y a des pressions professionnelles, comme ceux qui te disent que quand tu te pars à 17h parce que t'as un truc, oui, tu prends un après-midi, quoi. C'est ouais, vraiment, mais là, c'est bon, vraiment du management à l'ancienne, quoi. C'est anecdotique, mais je pense qu'il y a effectivement des personnes qui sont réellement gênées par rapport à ça, et c'est peut-être un moyen de montrer que tu peux faire des apéros de manière calme. Ouais, pour peu que tu sois ancien alcoolique, tu n'as pas forcément envie qu'on te ramène à ça tout le temps, non, aussi, et ce que je peux comprendre. Hein, et effectivement, moi, j'ai eu pas mal de retours déjà où des gens, à partir du moment où il y a de l'alcool, n'ont pas envie de venir parce que ça peut toujours déborder et se retrouver dans une situation où tu n'as pas envie d'être, et du coup, les gens ne viennent pas. Après, j'ai jamais vu un meet-up jug qui débordait à cause de l'alcool. Il y en a eu. Il y a quelques jurisprudences. Non, j'ai pas d'exemple, mais il y a forcément des cas où on n'est pas forcément au courant. Ouais, il y a eu des bofs dans certaines grandes confs où effectivement, c'était un peu arrosé. Vous vous doutez bien que là, on est quatre mecs blancs qui discutent et que du coup, notre avis n'a pas. C'est clair, c'est un peu d'intérêt sur le sujet. Donc, je vais pas trop la ramener parce que je suis aussi un peu responsable du line-up de tous les sujets de caractère informatique qu'il y a. D'en parler en tant que spécialiste. C'est ça, voilà, de l'alcool, évidemment. En tant que vendeur de spiritueux, par ailleurs. Ah ouais, pas moi. Voilà, à consommer avec modération, n'est-ce pas ? Voilà, je finis le dernier message à caractère informatique en disant lamarmottemasquée.com. Voilà. Après, moi, j'aime bien être un petit site en temps, quand même. Moi aussi. Je pense que ce n'est pas le sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Il n'y a pas opposé des trucs. Ah ouais, bah, c'est toujours compliqué, ce genre de choses, être le plus inclusif possible. Oui. Dire, tu pourras mais faire inclusif, ça ne veut pas dire à l'exclusion d'autres choses. Genre, pas des trucs qu'on emboîte et qui ne peut pas. Genre, par exemple, je peux aller au resto avec quelqu'un qui ne mange pas de viande parce qu'il y a les deux plats dans le truc. Il y a des plats sans viande et des plats avec viande. Ouais, le problème, c'est quand ça modifie le comportement des gens et du coup, tu ne te sens pas en sécurité et du coup, tu n'as pas envie de venir. Mais c'est une question de dosage. Comme oui, mais il y a des gens qui ne savent pas doser. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, mais moi, tu vois, c'est un problème d'éducation. C'est plutôt un problème d'éducation que... Mon anecdote était purement virtuelle. Donc, pour un événement purement virtuel. Donc, on vient de me casser les pieds sur le titre de l'événement. À cause de ça, parce qu'il y a des gens que ça gêne. Alors, j'ai expliqué ce que j'en pensais et ce que je pensais des apéros avec ou et sans alcool. Et je l'ai expliqué de manière calme et peu reposée. Et après, je leur ai expliqué qu'en plus, eux m'avaient invité dans leur event en me proposant que des aliments de mauvaise qualité, enfin, qui ne sont pas bonnes à la santé, comme des Kit Kat, des Mars, du Coca-Cola et en plus du saucisson, qui est pas bon pour mon cholestérol et que j'ai pas rebellé, donc qu'il fallait arrêter de me casser les pieds. Après, sur un event vrai, réel, où effectivement tu peux te sentir mal à l'aise, notamment, on sait tous, quand tu picoles, tu peux devenir lourd, et encore lourd, c'est gentil, il y a des gens qui deviennent violents. Là, tu l'es pas déjà à la base, en plus, ouais. Oui. Là, je parle pas de vous, mais voilà. Oui. Ah ouais, non, mais bon, on va se demander, Hubert. Moi, faut qu'on parle, Hubert. C'est sur la balance, voilà. Mais. et là, je suis complètement. J'adhère complètement. Effectivement, c'est. Mais il faut faire attention à, comme tu disais, Victor, du coup, que ça n'exclut pas d'autres personnes. Donc, il faut raison garder. Voilà. La vraie question, c'est qu'en penserait William Cramps ? Ah. Je sais pas qui c'est. Là, William Cramps, c'est le titre de la chanson qu'a choisi Philippe Charrière pour clore cet épisode. Ouais, c'est attentif.
Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, mais je crois il y a 2 semaines, et je ne l'avais pas écouté depuis 1995, je crois, donc ça remonte à loin. Est-ce que tu veux du coup nous parler un peu plus de bon, voilà, qu'est-ce que c'est, qui est le groupe et pourquoi cette chanson? Alors, le groupe, c'est les Ludwig von 88. Donc, alors, comme je suis très, très mauvais musicalement sur tout ce qui est histoire de la musique, sur goûts musicaux, je ne vais pas trop m'étendre. Mais moi, je les classerais dans un espèce de mélange rock alternatif et punk, qui ont des. Alors, certaines de leurs chansons ne sont peut-être plus à écouter, on va dire. Ça pourrait choquer des gens. Je sais plus laquelle. Je suis retombé sur une. Je fais, oh là. Je me souvenais même plus que j'écoutais ça. Mais c'est plutôt festif et amusant. J'écoutais ça en voiture avec un pote qui était punk et on était parti faire un espèce de voyage d'études au Tyrol, en Autriche, pour construire un espèce de catalogue de voyages, de visites d'entreprises et d'artisans au Tyrol pour des voyageurs. Donc, une autre vie encore aussi. Et donc, il avait amené dans la voiture, on a fait une semaine, on a fait 35 bleds différents dans le Tyrol en une semaine. Donc du début du Tyrol jusqu'à, je crois, Saint-Johann in Tyrol, un truc comme ça, en écoutant La Souris des Glingiers, les Ludwig von 88 et... Les cartes sont bouchées. Non, pas les... Si, ouais, si, peut-être, mais aussi... ceux qui chantent Paix, Amour, Liberté et Fleurs, je ne suis pas sûr que ce soit les Ludwig. On écoutait Les Satellites aussi. Donc cette musique, mais on a écouté du Dick Rivers aussi en passant, donc c'était un peu éclectique en termes de musique, et je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps et ça me fait toujours autant marrer. Et Tuer les tous, c'est un peu le sentiment que j'ai des fois pourtant je suis accro à Twitter, mais après certaines lectures de fil ou discussions dans Twitter, c'est un peu ce que j'ai envie de hurler. Et puis ça parle de boucher, vu qu'en ce moment je suis dans une période où d'essayer de manger un peu moins de viande, ça me semblait approprié. Bon, c'est un peu capillotracté, hein, là, tout ce que. Non, ouais. Mais c'est très bien, écoute, c'est parfait. Moi, ça me va. Du coup, on va vous laisser avec ça. On vous dit merci de nous avoir écoutés. Merci Victor, Hubert et Philippe d'avoir participé à ce message à caractère informatique. Merci à toi, Laurent. Eh bien, avec plaisir. Et moi, je vous dis au revoir. Peut-être une prochaine, je ne sais pas. Nous verrons. Et puis, moi, j'espère vous voir vite en vrai. Absolument, ouais. Ce serait cool. Je ne serai pas arrivé là, mais mon cœur sera avec vous. Et voilà. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Avant je te présente, tu vois avant je te montre. Eh bien moi c'est Marcel, boucher à Mucourcelle. Oui, avant c'est moi.